Bonjour à tous et à toutes. Nous allons pouvoir commencer l'ordre du jour de nos travaux. Donc aujourd'hui, je remplace Monsieur Marois qui ne pouvait être présent parmi nous ce jour. À l'ordre du jour, il y a l'organisation des travaux, l'examen de l'arriéré. Vu le nombre que l'on est, je vous propose de reporter ça à une séance ultérieure. Ce qui me permettra, si vous êtes d'accord, de passer à l'autre point qui est à l'ordre du jour, qui est l'interpellation et le volet des questions orales. Et nous allons ouvrir ce point par le premier chapitre qui concerne la sécurité routière, par une interpellation de M. Matagne qui concerne l'opposition du secteur du rétrofit à la réforme envisagée par les autorités publiques. Étant donné, M. Matagne, que vous avez également une question orale qui est jointe et qui porte sur le suivi des discussions sur le rétrofit, je vous propose de faire l'interpellation et de poursuivre par votre question orale. Je ne sais pas si dans l'Assemblée d'autres personnes veulent s'associer à cette interpellation. Madame Sobry, M. Garache et toute la salle, en fait. Donc, la parole est donc à vous, Monsieur Matagne. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Ministre, effectivement, donc, j'envisageais de revenir vers vous concernant le sujet du rétrofit, hein, puisque en février dernier, vous annonciez travailler à la rédaction d'un arrêté sur le sujet, que vous aviez pris de bons contacts avec l'autorité fédérale et qui travaillait quant à elle aux prescriptions techniques. Et puis, cette dernière devait nous présenter justement ces prescriptions techniques en fin mars, et c'est la raison pour laquelle je venais vers vous en ce mois d'avril. Et puis, dans la foulée, il m'est revenu que votre administration avait eu divers contacts avec le secteur du rétrofit durant ce mois d'avril, justement. Donc c'est évidemment une très bonne initiative et je vous en remercie, et je remercie également votre administration. Mais il semble que le courant, si je puis me permettre, ne soit pas réellement passé lors de cette rencontre. Certains nombres de mesures formulées par l'administration ont été quelque peu critiquées, voire rejetées par les acteurs du secteur du rétrofit. Selon mes informations, et j'imagine que vous pourrez nous apporter plus de précisions, la porte est évidemment ouverte au secteur, hein, afin qu'il fasse des propositions justement pour permettre d'offrir un cadre réglementaire qui convienne à la fois à l'administration, mais aussi aux entrepreneurs que sont les acteurs du secteur du rétrofit. Alors, là où le bas blesse, il semblerait que les gouvernements aient décidé de se tourner vers une procédure d'homologation individuelle, mais au détriment d'une procédure d'homologation en série pour les véhicules rétrofités. Alors, inutile de dire que, et en tout cas, c'est le point de vue que je défends, que si aucune homologation en série n'est proposée, le secteur ne pourra jamais se développer au même rythme que les pays voisins qui, rappelons-le, ont déjà une longueur d'avance, puisque la pratique du rétrofit est autorisée chez nos voisins allemands, chez nos voisins britanniques et plus récemment chez nos voisins français, et donc ils ne nous ont pas attendus pour se lancer dans l'aventure. Alors, si la législation ne correspond pas aux attentes du secteur, Madame la Ministre, inutile de dire que cela risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Ce sont des emplois que la Wallonie n'aura pas permis de créer. Ce sont des emplois qui vont s'échapper à l'étranger. C'est une branche de l'économie circulaire qui ne verra pas le jour. Alors je ne vais pas vous le cacher, enfin, j'étais très emballé au moment de vous présenter le texte et aujourd'hui je suis plus inquiet. Comprenez-moi, Madame la Ministre, au départ, tout le monde a accueilli ce texte favorablement. Alors, vous avez gardé évidemment une certaine prudence, et c'est bien légitime dans votre position de ministre de la Sécurité routière. Mais au-delà de ça, on sait que ce genre de texte, bien qu'il concerne une niche, hein, rappelons-le, a un intérêt global, un intérêt économique pour nos entrepreneurs, pour nos PME que vous défendez haut et fort, et c'est tant mieux. C'est un intérêt aussi dans l'économie circulaire, donc sur le plan environnemental, et puis sur le plan social, ça joue un impact important. Et donc voilà, Madame la Ministre, aujourd'hui, moi, je viens vers vous pour voir
comment vous avez envisagé de travailler, si on va finalement pouvoir faire aboutir ce texte prochainement et si ce texte va réellement permettre aux entrepreneurs du secteur du rétrofit de travailler, de développer des technologies en la matière. Je vous remercie d'avance pour l'ensemble de vos précisions. Vous avez donc, Monsieur Matin, globalisé votre interpellation et votre question orale. Donc, c'est juste pour le rapport. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Madame Sobry. Merci, Madame la Présidente. Mais tout d'abord, dans le cadre de cette interpellation, je pense que c'est essentiel de rappeler le rôle de la compétence de la région wallonne et donc de la ministre ici dans ce dossier. Le rôle des régions, il se limite au contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales qui sont applicables aux véhicules pour leur mise en circulation et sur l'accès à la profession du rétrofiteur. Il est vrai néanmoins que les administrations fédérales et régionales ont pu apparemment s'accorder sur une liste d'exigences fin de l'année dernière. L'objectif, c'est avant tout de travailler en concertation si on veut être efficace et doubler, éviter les doublons ou d'éventuelles zones grises. Donc, dans ce cadre, c'est intéressant, effectivement, de savoir si les administrations ont discuté chacune dans la limite de ses compétences ou si elles ont pu émettre des exigences qui dépassent un peu leurs attributions. Alors, au mois de février, vous aviez indiqué, Madame la Ministre, que le SPF Mobilité et Transport a travaillé à la rédaction de l'arrêté royal qui définit les prescriptions des véhicules, qui était en effet annoncé pour la fin du mois de mars. Donc j'ai l'impression que les craintes qui sont ici affichées et qui viennent du secteur du rétrofit relèvent plutôt du niveau fédéral et beaucoup moins du travail effectué par les régions. Mais c'est vrai que je suis surprise par les propos de mon collègue, puisque le SPF Mobilité avait déclaré, quand on l'a auditionné en septembre de l'année dernière, que la liste des exigences, qui n'avait pas été encore déterminée à l'époque, était inspirée par l'arrêté français du 13 mars 2020. Donc effectivement, il serait intéressant de savoir s'il y a eu en effet un retournement de situation ou pas. Donc, Madame la Ministre, je profitais de l'interpellation de mon collègue pour vous poser deux, trois questions à ce sujet. Quel état des lieux vous pouvez dresser sur la rédaction des arrêtés, tout d'abord? Est-ce que vous pouvez confirmer que le SPF Mobilité et Transport a bel et bien terminé la rédaction de l'arrêté royal à ce jour, et la potentielle décision de recourir à l'homologation individuelle simplifiée a-t-elle fait l'objet d'une concertation? Je vous remercie. Monsieur Agache. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Madame la Ministre, nous avons déjà abordé plusieurs fois ensemble la question du rétrofit dans cette commission, pendant et après les intéressantes auditions que nous avons eues d'ailleurs à ce sujet. Les entreprises spécialisées dans ce secteur se développent dans les pays voisins. Certaines voudraient se lancer en Belgique. Le potentiel en termes d'impact environnemental positif et de création d'emplois est significatif. En effet, il permettra à moindre coût de transformer des véhicules en bon état, mais équipés d'une vieille motorisation thermique, en véhicules électriques. Les constructeurs automobiles des pays voisins se sont lancés de façon volontariste dans ce changement de motorisation de véhicules thermiques plus anciens. En décembre dernier, les trois administrations régionales et l'administration fédérale s'étaient accordées sur une liste d'exigences pour le rétrofit. Suite à cela, le fédéral devait établir un arrêté sur base de cette note afin de définir les prescriptions des véhicules. Madame la Ministre, avez-vous eu des informations à ce sujet? Où en est le fédéral dans la rédaction de cet arrêté? Il était annoncé pour fin mars, comme ça a été rappelé par mes collègues. Ce timing a-t-il pu être tenu? Le cas échéant, quelles en sont les lignes directrices? Vous nous avez également confirmé que les régions compétentes en matière du contrôle du respect des prescriptions techniques fédérales applicables aux véhicules en vue de leur mise en circulation publieront également leur arrêté pour les parties qui tombent sous leurs compétences et qui compléteraient la partie du fédéral, et ce, notamment sur le sujet de l'accès à la profession de rétrofiteur. Quel était l'état d'avancement de votre action en cette matière? D'avance, je vous remercie, Madame la Ministre. Je vous laisse la parole, Madame la Ministre, pour développer votre réponse. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames, Messieurs les députés. Alors, en ce qui concerne le rétrofit, nous mettons tout en œuvre pour que ce dossier avance le plus rapidement possible. Cependant, cela prend du temps, vu les divergences d'opinion rencontrées entre les autorités et les acteurs du rétrofit. En l'état, je peux vous partager les informations suivantes concernant le suivi
des discussions et, comme vous le souhaitez, donc l'état des lieux sur ce dossier. Les administrations des trois régions et le fédéral se sont réunies à plusieurs reprises pour dresser une liste de prescriptions techniques concernant le rétrofit. J'insiste que c'est des démarches simultanées, donc on travaille avec les autres régions et le niveau fédéral. Ces prescriptions techniques exigées sont fort semblables à celles de la France. Le fédéral a établi un projet d'arrêté sur le rétrofit, mais nous n'en disposons pas encore. Un projet d'arrêté wallon concernant les compétences régionales sera rédigé en fonction de l'arrêté du SPF Mobilité et Transport, ceci afin que les deux arrêtés s'imbriquent parfaitement au vu de la répartition des compétences. En réunion du 23 mars 2022, les administrations régionales et fédérales, ainsi qu'un représentant du cabinet du ministre fédéral de la mobilité, M. Gilles Quinet, ont rencontré plusieurs acteurs du rétrofit des véhicules pour évoquer la liste des prescriptions techniques et les niveaux d'exigence. Il en résulte une différence de point de vue entre les autorités et les acteurs du rétrofit. Les autorités ont pris en compte l'aspect sécurité que représente la transformation d'un véhicule à motorisation thermique vers une motorisation électrique, que ce soit aussi bien du point de vue de l'utilisateur du véhicule que du point de vue des autres usagers de la route. La proposition des autorités belges s'inspire fortement de la réglementation française, à savoir, premièrement, une certification par un service extérieur agréé, donc l'exigence A, pour les composants du kit de conversion et pour le freinage du véhicule. Deuxièmement, une certification par le producteur lui-même, exigence C, pour les autres réglementations. Troisièmement, l'obligation du statut de constructeur et de COP, donc conformité de production, pour le constructeur du kit et l'installateur. Les acteurs du rétrofit estiment, quant à eux, que si la liste des réglementations à respecter est correcte, et d'ailleurs assez similaire de pays à pays, les niveaux d'exigence, donc le service de certification, par rapport à ces réglementations, sont trop élevés. Donc il me revient que les acteurs du rétrofit ne veulent pas de la démarche française. Ils sont demandeurs d'une réception très simplifiée avec des niveaux d'exigence C pour toutes les réglementations et l'abandon du statut du constructeur et du COP, donc de la conformité de production, tant pour la production de kits que pour leur montage. Cela signifie que le monteur certifie seul tant l'équipement, le kit, que le montage, et ce, sans procédure de conformité de production. Selon eux, cela serait une approche similaire à celle des Pays-Bas et de l'Allemagne. Les attentes du secteur du rétrofit, bien que prises en considération, ne peuvent être les seuls éléments à entrer dans la balance. Les aspects liés à la sécurité des utilisateurs de véhicules et la sécurité routière et de tous les autres usagers sont des éléments ô combien critiques dans les réflexions en cours. S'ajoutent en outre des considérations d'équité au regard des exigences demandées aux constructeurs automobiles. En effet, le rétrofit peut concerner, outre des véhicules ancêtres, des véhicules plus récents. Enfin, mon administration ainsi que les deux autres régions et le fédéral poursuivent activement les discussions afin d'expliquer concrètement les démarches réellement demandées. Alors, il faut un cadre clair. Là, je partage vos considérations pour la croissance économique et aussi les éléments que vous avez indiqués en matière d'économie circulaire et bien sûr l'emploi. Nous y veillons collectivement, mais mon souci premier reste bien évidemment la sécurité routière. Voilà à ce stade, monsieur le député, madame, monsieur le député, ce que je pouvais vous indiquer au sujet de l'état d'avancement de ce dossier. Monsieur Matagne, vous avez la parole pour développer votre réplique. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre pour le suivi. Je comprends évidemment que ce soit particulièrement complexe et je vous remercie d'ailleurs et vous félicite pour l'exercice de collaboration que vous effectuez avec les différentes entités qui constituent notre pays. J'entends que vous ne disposez pas encore du listing des dispositions techniques. Concernant la priorité à la sécurité, c'est un point de vue que nous partageons et je pense avoir appuyé sur le bouton dès le départ puisque j'avais mis en exergue les différents éléments
éléments auxquels il fallait faire attention, évidemment, et notamment, nous avions envisagé un accès à la profession qui mériterait peut-être, comme je vous l'avais suggéré, une norme décrétale, mais j'imagine que nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite du débat. Pour rappeler brièvement sur le fond, le rétrofit couvre deux visions. La première, c'est la conversion en série d'un même type de véhicule en vue de le rendre abordable, et je sais que c'est un point qui avait été soulevé par différents collègues de l'Assemblée, que je remercie évidemment. Et puis par ailleurs, il y a la conversion individuelle d'un véhicule qui est réservée aux véhicules plus exclusifs. Et donc l'ensemble de ces deux visions permet de couvrir un marché, certes encore une fois de niche, mais qui pourrait se développer intelligemment si nous développons une législation qui l'est tout autant. Donc voilà, je vous remercie en tout cas Madame la Ministre pour l'attention que vous portez à ce dossier. Je sais que vous y êtes très attentive et que vous n'hésiterez pas à mettre toute votre énergie en œuvre pour permettre de faire aboutir une législation qui saura aider nos entrepreneurs à avancer en la matière. Madame Sobry, pour votre réplique. Oui, merci Madame la Ministre pour cet état des lieux très, très complet et très, très à jour. Bravo aussi effectivement pour la collaboration que vous démontrez avec le fédéral. On entend en tout cas à votre réponse qu'effectivement les discussions se passent avant tout là-bas. Je vous rejoins aussi sur la priorité qui est la vôtre de mettre en avant et de d'abord faire attention à la sécurité routière. Donc, peut-être pour avoir plus d'informations, vu qu'il y a des informations dont vous ne disposez pas encore, je suggérerais à mon collègue de renvoyer la balle à ses homologues qui siègent à la Chambre pour aller éventuellement interroger le ministre Gilles Quinet, qui pourra peut-être déjà à ce stade donner plus d'informations. Merci à vous. Monsieur Agache, pour votre réplique. Oui, merci Madame la Présidente. Je remercie Madame la Ministre pour ses explications complètes et très claires. Souligner aussi qu'il y a quand même une bonne collaboration entre différents nouveaux pouvoirs et on sent une volonté d'avancer dans le dossier, donc ce qui est très positif. Et je rejoins aussi évidemment Madame la Ministre sur le côté l'importance de la sécurité et des dispositifs qui seraient proposés. Je pense que ça, c'est vraiment tout à fait essentiel. Et je sens que la démarche, la volonté politique au niveau des différents pouvoirs est d'aller dans cette direction. Je crois que c'est important. Merci. Nous allons donc pouvoir poursuivre nos questions. Et vous gardez la parole, Monsieur Agache, puisque c'est à vous pour poser votre question sur l'intégration du concept de chaussée à voie centrale banalisée dans le code de route wallon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, pour rappel, la chaussée à voie centrale banalisée comporte un marquage discontinu sur la voie qui invite les automobilistes à circuler au milieu de la chaussée et se déporter sur la droite uniquement lors des croisements. Les piétons et les cyclistes circulent sur l'espace extérieur au marquage. Le 26 mai de l'année dernière, lors de ma question orale sur ce concept, vous m'indiquiez que si la Wallonie est favorable au développement de cet agencement de voirie, favorable donc aux déplacements cyclistes, notamment en campagne, cette configuration nécessite une adaptation du code de la route. Un projet d'arrêté royal modifiant le code de la route actuel, préparé par le ministre fédéral de la Mobilité, Georges-Gilles Quinet, avait été envoyé aux régions à la mi-avril 2021 pour avis. Il était, en mai 2021, à l'étude au sein des services du SPW, en collaboration avec votre cabinet. Vous deviez remettre un avis dans les semaines qui suivaient ma question orale. Madame la Ministre, où en est-on dans ce dossier qui me tient particulièrement à cœur? Avez-vous remis votre avis? Le cas échéant, quelle en est la teneur? Et si pas, pourquoi vous n'auriez éventuellement pas remis d'avis? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la Ministre, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. La chaussée à voie centrale banalisée est un dossier particulièrement lent et long. Comme j'ai déjà pu vous l'indiquer, le principe de la chaussée à voie centrale banalisée a été testé en Wallonie il y a déjà plus de 10 ans. Si la Wallonie est favorable au développement de cet agencement de voirie intéressant pour les déplacements des cyclistes et pour la sécurité routière, cette configuration nécessite toutefois une adaptation du code de la route. Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges-Gilles Quinet, a présenté pour avis des régions un projet d'arrêté royal introduisant ce principe
de la chaussée à voie centrale banalisée et adaptant diverses autres dispositions du Code de la route. En date du 14 juillet 2021, le gouvernement wallon a émis un avis favorable sur le projet d'arrêté royal, tout en donnant des pistes d'amélioration sur une série de points autres que la chaussée à voie centrale banalisée. Cependant, la région flamande a rendu un avis négatif sur le projet d'arrêté royal. De ce fait, de longues discussions ont été entamées entre les trois administrations des régions et fédérales, ainsi que le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, en vue de trouver un consensus et d'adapter le projet en conséquence. Un nouveau projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis des régions en ce mois de mars 2022 et en date du 6 avril, le gouvernement wallon a émis un avis favorable sur ce nouveau projet d'arrêté royal introduisant le principe de la chaussée à voie centrale banalisée. Nous espérons naturellement un avis favorable des deux autres régions pour enfin voir le bout de ce lent et long dossier. Après son adoption définitive, la fiche portant sur les modalités d'imputation sera rapidement adaptée et mise à disposition des gestionnaires de voirie. Et comme vous, monsieur le député, je formule le vœu que ce dossier aboutisse, vu que la chaussée à voie centrale existe dans les autres pays voisins, qu'il y a une demande pour ce type d'aménagement de voirie utile pour le développement d'une mobilité active, notamment en milieu rural, mais aussi utile pour la sécurité routière. Monsieur Agache, pour votre réplique. Je remercie Madame la Ministre pour vos réponses très complètes et je sens que vous êtes toujours très mobilisée sur ce dossier. Et voilà, je continue à vous encourager dans vos démarches en espérant que nous aboutirons très prochainement. Merci. Nous passons maintenant à la question suivante, celle de Madame Galland, qui porte sur la lutte contre les pirates de la route suite au drame de Stréprie-Bracny. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Même si les devoirs d'enquête sont toujours en cours, les faits établis démontrent sans équivoque que le responsable du drame de Stréprie-Bracny a montré un comportement extrêmement grave et déviant en matière de vitesse et de sécurité routière, et ce n'est malheureusement pas la première fois. Face à l'ampleur du drame, vous avez demandé directement, et je salue votre rapidité de réaction, une réunion avec vos collègues ministres de la Sécurité routière, l'idée étant de coordonner les efforts afin de lutter davantage contre les pirates de la route. Et donc, est-ce que cette réunion a déjà eu lieu? Et si oui, qu'avez-vous défendu lors de cette réunion? Que comptez-vous développer dans le cadre de vos compétences pour intensifier la lutte contre ce type de comportement sur la route? Et que mettez-vous en place en termes de prévention et de sensibilisation? Et comment envisagez-vous de lutter contre le culte et l'apologie de la vitesse? Je vous remercie. Madame la Ministre, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Députée. Concernant la catastrophe de Stréprie-Bracny, dont il y a effectivement juste un mois aujourd'hui, nous devons effectivement d'attendre les conclusions de l'enquête judiciaire. Néanmoins, le profil du conducteur sur les réseaux sociaux semble indiquer une tendance à la pratique de comportements excessifs, inappropriés et répétés. Ces attitudes amènent tôt ou tard à un drame. Il s'agit d'être ferme avec ce type de comportement routier irresponsable que je qualifie de criminalité routière, de pirate de la route. La plupart du temps, le problème des personnes qui récidivent de façon volontaire n'est pas un problème de connaissance du code de la route ou de connaissance technique en matière de conduite, c'est un problème comportemental. Dans ces cas précis, il est primordial de provoquer un déclic, celui de la prise de conscience pour initier un changement de comportement. La formation alternative aux contrevenants routiers fait partie de mon plan d'action pour les matières relevant des compétences régionales. En effet, la sanction éducative via une formation obligatoire en cas d'infraction participe, à mon sens, à une prise de conscience nécessaire à la sécurité des usagers. Dans cette optique de conscientisation, la formation devrait inclure le contact du délinquant avec des victimes de la route ou leurs proches via, par exemple, une rencontre au sein d'un centre de revalidation. L'objectif étant d'initier un changement de comportement en cas de récidive, il s'agit d'aller plus loin, notamment au niveau des conditions pour récupérer son permis.
dans la mesure où le plan fédéral de la sécurité routière 2021-2025 prévoit l'élargissement du recours à des mesures alternatives, les projets du fédéral et de notre région, s'agissant des contrevenants routés, viennent se compléter et ces points seront bien entendu discutés avec le ministre fédéral de la Mobilité. Aujourd'hui, ces formations ne sont pas obligatoires lorsque l'on souhaite récupérer son permis. Demain, je souhaite qu'elles le soient. Un autre axe d'action pour lutter contre ces profils particuliers et excessivement dangereux est la surveillance des réseaux sociaux. L'objectif est d'anticiper le drame en repérant en amont ces pirates de la route. Sur ce point, j'ai décidé de sensibiliser les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Une entrevue sera programmée prochainement. Cela passe par la mise en place de mesures fortes en collaboration avec tous les niveaux de pouvoir. S'il est primordial de lutter rapidement contre les multirécidivistes et contre les pirates de la route pour éviter les drames, il est tout aussi important de travailler en profondeur afin que ceux-ci n'émergent plus à l'avenir. Les mesures de formation et de sensibilisation à la sécurité routière sont importantes afin de prévenir les comportements dangereux et inappropriés et conscientiser au maximum les conducteurs tels que ceux attirés par la vitesse. Cet apprentissage doit débuter dès le plus jeune âge via l'éveil aux différents dangers et aux comportements à risque. Je poursuis un objectif de sécurité routière et d'éducation routière. Nous visons un changement de mentalité, de regard par rapport à la vitesse, mais aussi de conduite sous influence. Il faut l'instiller dans la population de manière générale, et c'est un travail, évidemment, sur le plus long terme. C'est en ce sens que j'ai mis sur pied le brevet du piéton dans le cadre d'un projet pilote, que je souhaite intensifier le brevet du cycliste déjà en cours et que je prépare actuellement le brevet à destination de jeunes de l'enseignement secondaire avec les aspects liés à la multimodalité et au partage de la route. Si le canevas de ce brevet doit être affiné, il contiendra bien entendu la thématique vitesse et ses dangers afin de faire prendre conscience aux jeunes que la vitesse tue et qu'il est important d'éviter tout comportement excessif et inapproprié. Enfin, à côté du travail de prévention et de sensibilisation, l'intensification des contrôles, accompagnée de l'effectivité de la sanction, représente une mesure fondamentale. Comme j'ai déjà pu l'exposer, ma politique de radar vise le placement de radars plus nombreux en donnant la priorité aux radars tronçons jugés plus efficaces en matière de sécurité routière, mais aussi l'augmentation croissante de leur plage horaire de fonctionnement. Le parquet central, en cours de création par le pouvoir fédéral, participera au suivi des infractions et par conséquent à l'effectivité de la sanction, notamment en ce qui concerne les excès de vitesse. Si les mesures prises par le ministre de la Justice ne permettent pas l'augmentation croissante des plages de fonctionnement des radars via la suppression des quotas et des tolérances, les amendes administratives régionales concernant dans un premier temps les infractions techniques devraient inclure les infractions de vitesse. Comme je l'ai indiqué, il est important de renforcer et coordonner nos efforts. C'est en ce sens qu'au-delà d'un premier échange entre nous, une réunion de concertation avec les différents ministres concernés par cette lutte contre les pirates de la route et l'apologie de la vitesse est en cours d'organisation. Merci pour votre attention. Madame Galland, pour votre réplique. Merci, Madame la ministre, pour tous ces éléments de réponse. Et je pense que suite au drame de Strépy, les gens sont vraiment en attente d'actions fortes. Vous avez été une des premières à réagir et essayer de sensibiliser vos collègues pour qu'une réunion et des efforts de coordination soient faits très rapidement. Et vous le dites, sans ces efforts de coordination dans l'ensemble du pays, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut vraiment que tous les niveaux de pouvoir se mettent ensemble pour lutter contre ces pirates de la route. Et je pense qu'il faut vraiment être intransigeant par rapport à ces personnes qui représentent un danger permanent pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des usagers de la route, mais également pour eux-mêmes. Et donc, ils ont brisé de nombreuses familles.
J'ai mon collègue en face de moi qui est de la région également. On connaît, moi je suis de la région de Mons-Borinage, mais j'ai une victime dans mes connaissances. Il a vraiment brisé énormément de familles. Il y a encore des blessés graves qui auront sans doute des séquelles graves pour leur suite de leur vie. Et donc il faut vraiment des actions concrètes. Et on peut être intransigeant par rapport à cette situation. Et donc j'espère vraiment que quand on voit le taux de récidive qui est vraiment inquiétant, parce qu'on a un taux de récidive qui est quand même inquiétant pour l'ensemble du territoire, je trouve qu'on se moque vraiment des risques potentiels que l'on prend pour soi et pour les autres usagers. Donc j'espère vraiment que suite à la coordination entre les différents niveaux de pouvoir, il y aura des actions concrètes. Et ce genre de choses, évidemment, c'est... On ne sait pas le contrôler. Il y aura toujours des fous sur la route et c'est bien malheureux. Mais j'espère vraiment qu'avec toutes les actions qui seront prises aux différents niveaux de pouvoir, on pourra lutter de manière très concrète contre ces pirates de la route. Et comme vous le dites, les réseaux sociaux, quand on voit, il y avait un reportage sur RTL TV, je pense, où on voit que ce personnage se permet de se vanter de la vitesse à laquelle il roulait en revenant de la boîte de nuit pour revenir vers son domicile. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Et donc, je pense vraiment que les réseaux sociaux, à un visionnage et à un contrôle des réseaux sociaux, serait vraiment une bonne opportunité également. Je vous remercie. Je vais céder la présidente à M. Di Mattia pour que je puisse poser ma question. Mais le règlement impose que je change de place, donc laissez-moi badger. Très bien, je vais vous laisser le temps de vous installer, Mme Goffinet, pour que vous puissiez poser votre question sur les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie pour réduire la dépendance au pétrole. Et dès que vous serez prête, Madame Goffinet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais Madame la Ministre, le conflit en Ukraine a démontré la dépendance de nos économies aux importations de pétrole, en particulier en provenance de la Russie. Et afin de réduire cette dépendance et affirmer notre volonté de couper cette source de revenus pour la Russie, l'Union européenne a affirmé vouloir accélérer ses efforts de décarbonation. Et dans ce cadre, de nombreuses pistes de réflexion ont été lancées. Et il n'y a pas plus tard que quelques semaines, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a formulé 10 pistes pour réduire notre dépendance au pétrole. Et selon cette agence, en les appliquant, nous pourrions réduire la consommation de pétrole de 2,7 millions de barils par jour d'ici 4 mois. Certaines pistes évoquées concernent vos compétences, notamment la réduction de la vitesse de 10 km/h sur les autoroutes et pour la fonction publique, le développement du télétravail à 3 jours par semaine, partout où cela est possible. Et j'en viens donc à mes questions, Madame la Ministre. Tout d'abord, avez-vous, avec vos collègues du gouvernement wallon, pris connaissance des différentes pistes proposées par l'AIE? Le gouvernement wallon envisage-t-il de mettre en œuvre certaines de ces pistes dans le cadre de ses compétences? Et vous-même, dans le cadre de vos propres compétences, allez-vous mettre en œuvre certaines de recommandations ou quelles sont vos réflexions sur le sujet? Je vous remercie d'ores et déjà des réponses que vous m'apporterez. Et pour la réponse, la parole à Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, faisant suite à son autre plan pour réduire la dépendance au gaz, l'Agence internationale de l'énergie se concentre sur le secteur des transports. L'Agence internationale de l'énergie, donc l'AIE, a donc présenté ce 18 mars dernier une liste de 10 mesures qui permettraient, selon elle, de réduire rapidement la consommation de pétrole. Son plan en 10 points suggère de baisser d'au moins 10 km la vitesse autorisée sur autoroute, mais aussi de travailler à la maison jusqu'à 3 jours semaine si possible, de rendre l'usage des transports en commun plus attractif ainsi que le vélo et la marche à pied, d'encourager les alternatives à la voiture individuelle dans les villes, d'inciter le covoiturage, etc.
Bien évidemment, je salue ces idées intéressantes, mais je tiens à vous informer qu'elles se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans les actions de ce gouvernement. En ce qui concerne la limite de vitesse sur les autoroutes, plus qu'une simple limitation de vitesse, c'est une manière de conduire souple, fluide et anticipative qui permet de réduire sa consommation de carburant. De plus, il ne s'agit pas de se limiter aux seules autoroutes qui ne représentent que le tiers des kilomètres parcourus. Il s'agit aussi d'une responsabilité individuelle. Si la mesure peut être utile en matière d'économie d'énergie, elle n'est pas nécessaire pour la sécurité routière. Si des mesures d'économie d'énergie doivent être prises, c'est dans le cadre d'un plan d'action du gouvernement. En matière de lutte contre la vitesse, Madame la députée, je peux vous rappeler quelques éléments, deux en particulier, qui contribuent à réduire la vitesse. C'est premièrement le déploiement de radars permanents qui contribue à cette démarche. Pour rappel, la région a pour principe d'annoncer et signaler les radars permanents. Le souhait est d'avertir les usagers qu'ils risquent d'être contrôlés à ces endroits sensibles du réseau routier. L'objectif n'est pas de verbaliser ou de surprendre les automobilistes par ces contrôles, mais l'objectif est d'amener les usagers à respecter la limite de vitesse et d'adopter une conduite plus apaisée, et donc de maîtriser sa consommation de carburant. L'ensemble des mesures, comme les aménagements de l'infrastructure routière, les formations à la conduite, les campagnes de sensibilisation et les contrôles routiers, visent à la maîtrise des vitesses pratiquées et à une conduite plus apaisée. En ce qui concerne l'encouragement à moins de voitures et plus de modes actifs, je suis favorable au développement réfléchi et concerté avec les communes des zones piétonnes, des zones de rencontre, également appelées zone 20 et des zones 30. Comme vous le savez, j'ai revu et assoupli en juillet 2020 les instructions pour leur instauration de manière définitive ou temporaire. Et je n'écarte pas d'éventuellement encore agir en ce sens. Comme je l'ai indiqué, je souhaite pour ma part travailler en partenariat avec les communes. Ce sont elles qui connaissent le mieux leur territoire, elles qui peuvent au mieux identifier les portions qu'il conviendrait d'inscrire dans une de ces catégories. En ce qui concerne le développement du télétravail, cela fait plusieurs mois que mes services ont entamé les travaux de révision de la réglementation en la matière en se basant sur les enseignements tirés de la crise sanitaire. Et ce 17 mars, le gouvernement a adopté en dernière lecture, un arrêté relatif au télétravail. Cette nouvelle réglementation permet davantage de flexibilité et d'agilité, puisque les agents dont les fonctions le permettent disposent désormais de la faculté de télétravailler jusqu'à 10 jours par cycle de 4 semaines, soit en moyenne 2 jours et demi de travail par semaine. Augmenter encore la faculté de télétravail, voire le rendre obligatoire, permettrait certes d'espérer une réduction des déplacements et par conséquent de la dépendance au pétrole. Toutefois, le télétravail ne peut être réduit à une perspective d'économie de carburant. Il doit permettre un juste équilibre entre les nécessités du service public, le bien-être des travailleurs et les aspirations personnelles de chacun. Un des enseignements de la pandémie est qu'il faut rester dans une limite raisonnable, sous peine de porter atteinte à la cohésion des équipes, à la motivation de certains et à l'efficacité du management. En outre, il est apparu essentiel à tous les partenaires et particulièrement aux organisations syndicales de permettre le télétravail sur base volontaire afin de tenir compte du bien-être de chaque agent tout en permettant une présence sur le lieu de travail organisé pour des temps d'échange et de réunion. Merci pour votre attention. Madame Goffini, pour votre réplique. Merci, Madame la ministre. Vous avez raison de rappeler que, enfin, quelque part, l'AIE a émis ses recommandations sous un angle qui est l'angle du transport. Je vous rejoins tout à fait sur la manière de conduire est une responsabilité individuelle et qu'il est important que chacun développe une conduite plus apaisée. Je vous remercie d'avoir rappelé tous les éléments qui ont été
déjà mis en place et sur lesquels vous travaillez, notamment pour le télétravail. Et donc, c'est vrai qu'il y a parfois des équilibres à avoir entre différents objectifs. Et donc, je vous remercie pour l'ensemble des éléments de réponse que vous avez apportés. Je vous rends la présidence, Madame Goffi. Nous allons ainsi clôturer le premier chapitre qui était le chapitre de la sécurité routière pour ouvrir l'autre chapitre qui concerne le tourisme. Et nous allons commencer par la question de Madame Galland sur la gestion de l'ASBL en charge du centre équestre des Lacs de l'Oder. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, après son émission d'investigation, la RTBF vient de relever un nouveau dysfonctionnement d'une ASBL. Il concerne la gestion du centre équestre des Lacs de l'Oder. Pour rappel, en 2014, l'ASBL des Lacs de l'Oder, l'association qui s'occupe du site touristique, s'est lancée dans la construction d'un grand complexe pour chevaux sur un magnifique site de 15 hectares. Près de 2 millions d'euros ont été investis dans ce centre. Le reportage révèle qu'aujourd'hui, le chantier n'est toujours pas terminé. Pire encore, pas un cheval n'a été accueilli dans ce centre et les infrastructures tombent en ruine. Le gouvernement d'époque a soutenu le projet en injectant, selon la presse, près d'un million d'euros. 400 000 ont été ajoutés via des fonds européens FEDER et 650 000 euros ont été nécessaires pour exproprier le fermier de son terrain. Certains évoquent un véritable gaspillage d'argent public et une mauvaise gestion de l'ASBL sur ce dossier. Pour rappel, en 2018, un rapport de l'inspection des finances fait état d'irrégularités majeures au sein de l'ASBL des Lacs de l'Oder. Vous héritez d'une situation initiée par un gouvernement précédent dont les investissements, on le constate aujourd'hui, posent question. Et donc, Madame la Ministre, avez-vous été sensibilisée à ce dossier? Avez-vous pris des actions? Est-ce que des actions ont été entreprises dans la gestion de ce dossier? Et est-ce que l'ASBL a-t-elle suffisamment évolué dans son fonctionnement? Je vous remercie. Madame la ministre, pour votre réponse. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Le dossier du centre équestre sur le site des Lacs de l'Oder s'inscrit dans le cadre de la programmation FEDER 2007-2013. Ce dossier, approuvé le 4 septembre 2008 sur proposition du ministre-président en charge du tourisme, M. Robert Collignon, a fait l'objet de plusieurs financements publics. Un montant final de 980 731 47 euros dans le cadre de la précédente programmation 2007-2013, cofinancée par le Fonds européen de développement régional. Ce projet européen s'est clôturé en 2015. Une subvention complémentaire sur le budget 2015 du CGT pour un montant de 963 000 euros. Ce montant a pour objectif de compléter et finaliser le programme de construction du centre équestre. Une partie de ce montant est toujours disponible. Il sera affecté en fonction du projet de concessionnaire retenu par l'ASBL. Je tiens également à préciser qu'il n'y a pas eu d'expropriation, comme vous l'indiquez, mais une acquisition de terrain. Depuis 2021, l'ASBL recherche un concessionnaire. Il y a eu 3 procédures successives qui n'ont pas pu aboutir, dont la dernière en 2021, ce qui montre la volonté de l'ASBL de trouver une solution. L'ASBL doit maintenir un équilibre entre les exigences touristiques et assurer un retour financier. Il faut donc que le futur exploitant puisse également investir et accompagner le développement du site. L'ASBL souhaite donc relancer une nouvelle fois l'appel à concessionnaires en se donnant les meilleures chances d'aboutir. Je soutiens la demande de l'ASBL de se faire accompagner par Ygretec et le CITWE afin d'analyser les possibilités de développement du site et d'adapter le projet du centre équestre à la réalité budgétaire. L'ASBL ayant la gestion du site, elle introduira sous peu la demande d'analyse via son agence de développement territorial. Le gouvernement a réaffirmé l'importance du site des Lacs de l'Oder pour le tourisme wallon dans sa DPR.
Et cette volonté est réaffirmée dans le cadre du plan de relance qui prévoit des moyens pour le redéploiement du site. Depuis son arrivée en tant que président du conseil d'administration de l'ASBL, M. Omar Mahaoui a développé avec l'équipe et le bureau exécutif un plan stratégique pluriannuel de développement pour le site, sur base notamment d'un master plan réalisé par Ideta Group. La crise sanitaire et les départs en interne ont freiné le développement de ces projets. En parallèle, j'ai décidé de proposer un nouveau contrat de gestion entre la SBL et la région wallonne afin de repréciser les objectifs, les missions et obligations de chacun. Celui-ci sera présenté prochainement au gouvernement. Il y a donc une vraie volonté de soutien et d'action afin de doter la SBL d'un cadre clair et actualisé dans ses actions et ses missions et de doter la structure de moyens permettant de réaliser son potentiel. On hérite du passé et d'une situation complexe. Le cas du centre équestre est à mettre en lien avec les décisions des précédents gouvernements, un investissement massif d'argent public pour développer le site et ses équipements sans toujours viser le retour financier et l'intérêt pour la région. Si personne ne nie le potentiel du tourisme équin et la filière équestre en Wallonie, il faut une vraie réflexion sur la bonne utilisation des investissements publics, d'où cette étude à réaliser avec le CITW. La situation actuelle est tout à fait regrettable et il convient aujourd'hui d'analyser la meilleure solution pour le développement du centre équestre dans l'intérêt du site et aussi dans l'intérêt de la région. Merci pour votre attention. Madame Galland, pour votre réplique. Merci, Madame la Ministre, pour tous les éléments de réponse. Et comme vous le dites, vous héritez d'une situation du passé qui est déplorable et qui malheureusement perdure. Et donc j'espère que le nouveau président de la SBL pourra se dépêtrer de ce dossier qu'il hérite. Et, parce que quand on voit depuis le temps que ce dossier dure, donc on voit depuis 2008... à l'époque où Robert Collignon était ministre-président. Nous sommes en 2022. Quand on voit le nombre, la quantité d'argent public qui a été dépensé dans ce projet de centre équestre et qu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a jamais un cheval qui a pénétré dans ce centre parce que voilà, il y a eu une mauvaise gestion, je pense que... quand la population voit ça, alors que les montants investis par la région wallonne sont quand même conséquents, on se dit que l'argent aurait pu être utilisé ailleurs. Et donc j'espère vraiment que le bon sens dans ce dossier va désormais primer. Et pourquoi pas, pour ce centre équestre, faire une ouverture vers le privé, parce que si on ne trouve pas de concessionnaire, s'il y a des appels à concession qui sont de nouveau relancés, pourquoi pas à un moment se tourner vers le privé qui pourrait racheter cette partie uniquement du centre concernant le centre équestre et y développer une activité, parce que il faut éviter que finalement le site soit complètement en ruine et plus du tout utilisable. Voilà, je vous remercie, mais une nouvelle fois vous héritez vraiment du dossier, de la situation déplorable, et le gouvernement actuel n'a rien à voir dans la situation présente. Merci. Nous allons passer à la question de M. Di Mattia sur le renforcement de la cohérence du balisage des circuits vélos. M. Di Mattia, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, bonjour. Le développement du vélotourisme va de pair avec celui des réseaux de points nœuds cyclistes. Alors, du système piloté par le CGT, en pratique, la mise en œuvre se réalise soit au niveau provincial ou au niveau des territoires, des maisons du tourisme, où chacune évolue à son propre rythme en fonction des spécificités territoriales. L'objectif affiché est de créer pas moins de 12 000 km d'itinéraires balisés. Alors, dans ce cadre, vous avez à plusieurs reprises réaffirmé le rôle transversal que doivent jouer les maisons du tourisme pour assurer la coordination du développement des points nœuds cyclables sur le terrain. De la même manière, la finalisation du travail de dématérialisation des itinéraires devait permettre au CGT de développer une application pour laquelle un marché public avait été passé dès 2018. Au regard de son avancement, allez-vous prendre des mesures spécifiques pour renforcer la cohérence dans les paysages des points nœuds vélos? Pourquoi n'envisagez-vous pas de laisser le CGT en tant qu'organe unique coordonner leur mise en œuvre en définissant un système unique qui pourrait par ailleurs être à l'initiative d'un financement en vue de compléter le balisage?
Réunissez-vous régulièrement les maisons du tourisme autour de la table pour évaluer leur degré d'implication et leur rappeler finalement la responsabilité partagée dans le cadre de la bonne mise en œuvre de ce projet? Certaines provinces rencontrent-elles des difficultés pour définir avec les pouvoirs locaux les zones de piquetage? Et le cas échéant, votre administration intervient-elle pour faciliter ce travail? Enfin, avez-vous pu finaliser le travail d'uniformisation et d'intégration des données dans le logiciel Pivot? Dans l'affirmative, selon quelles échéances espérez-vous voir l'application mobile de type planificateur être accessible au grand public? Je vous remercie pour les éléments d'éclairage. Madame la ministre, pour la réponse. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, la coordination du développement du réseau Point.ne est assurée par le Commissariat général au tourisme d'une part et d'autre part le déploiement du piquetage et l'analyse territoriale sont dévolus aux fédérations touristiques provinciales ainsi qu'à deux maisons du tourisme et un parc naturel. Ceux-ci, bien entendu, concertent les acteurs de terrain que sont les maisons du tourisme et les communes. Par ailleurs, et plus largement concernant l'organisation du vélotourisme en Wallonie, le Centre d'ingénierie touristique de Wallonie, donc le CITW, a accompagné jusque fin 2021, avec le Commissariat général au tourisme, une étude qui vise la création d'une boîte à outils de développement du vélotourisme sur les itinéraires Eurovélo, Ravel et autres tracés à plus-value touristique. C'est l'ASBL ProVélo qui a été désigné pour mener cette étude avec le bureau d'études Indigo pour la partie gouvernance et services. Cette étude a abouti à trois éléments, donc la création de référentiels sur les équipements complémentaires aux infrastructures, un référentiel sur les aires d'arrêt. Ce document fixe un cadre de référence, il décrit une méthodologie et un idéal d'aménagement pour des aires d'arrêt qualitatives, tenant compte tant des besoins des touristes à vélo dans leur diversité que du potentiel de développement du tourisme à vélo et les procédures et financements. Et enfin, un référentiel sur la signalétique d'interprétation du territoire. Un plan d'action de redynamisation du label Bienvenue Vélo a été établi suite à un sondage auprès des labellisés en 2021 et discuter avec le SPW Mobilité dans le cadre du plan Wallonie Cyclable 2030. Quant à vos questions relatives au déploiement du réseau Point.ne Vélo et les difficultés que pourraient rencontrer les provinces à effectuer ce travail, il faut savoir que la définition des zones de piquetage a lieu entre le service provincial du tourisme et les communes et qu'à ce jour, aucun gestionnaire ne nous a signalé le moindre souci en la matière. Au contraire, les communes voient cette démarche d'un bon œil pour dynamiser leur territoire et faire de leur commune une destination vélo à part entière. Le travail de standardisation des données Point.ne Vélo est terminé, ce qui veut dire que nous disposons de l'ensemble des données en un format unique, tel que les tronçons et les nœuds, par exemple. Actuellement, le planificateur, c'est-à-dire l'outil qui permet de sélectionner l'itinéraire souhaité, est testé par les gestionnaires, c'est-à-dire les provinces et ou les maisons du tourisme, mais aussi le SPW Mobilité et Infrastructures. Le déploiement de cet outil sur les différents sites Internet des opérateurs touristiques est prévu au courant du mois de mai et l'outil devrait donc être accessible au grand public avant le début de cet été. Merci pour votre attention. Monsieur Di Mattia, pour votre réplique. Je voudrais remercier Madame la Ministre pour sa réponse qui est très pratique. Donc, si j'entends bien les éléments force de votre réponse, Madame la Ministre, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où une étude a été faite. Vous m'expliquez le cadre. Il n'y a que deux maisons du tourisme qui interviennent dans cette définition. Donc, nous sommes à même aujourd'hui, ou en tout cas à partir du mois de mai, nous sommes à même de pouvoir récolter les données. Donc il sera important dans les mois à venir de voir comment cet outil est réellement utilisé et si finalement la couverture territoriale est aussi optimale que celle que peut-être certaines études semblent l'indiquer. Moi j'attends beaucoup évidemment du référentiel et de la signalétique, mais aussi évidemment du déploiement de l'outil sur l'ensemble du territoire pour pouvoir en récolter des données. C'est finalement ce qui nous manque le plus
pour pouvoir évaluer toute politique. Merci. Monsieur Di Mattia, vous gardez la parole pour poser votre... Monsieur Di Mattia, vous gardez la parole pour poursuivre avec une question sur l'avenir du plan incliné de Ronquière. Merci, Madame la Présidente. Voilà, effectivement... c'est une question qui a déjà, enfin, c'est un suivi finalement. Hein. Donc, à la fin de l'année 2021, la province de Hainaut annonçait l'adoption d'un plan d'économie qui conduirait à la fermeture de multiples sites touristiques, dont l'emblématique plan incliné de Ronquière, qui est la propriété du SPW, voie hydraulique. Alors, ce dernier permettait jusqu'ici, au travers d'une concession qui venait à échéance durant l'année 22 à la SBL Voie d'eau du Hainaut d'exploiter le site. Interrogé précédemment sur les ambitions de la région wallonne sur ce joyau du tourisme fluvial, votre collègue, le ministre Henry, qui entre parenthèses a été interrogé hier par un autre collègue, et vous-même m'aviez indiqué vouloir, au sortir de la concession, inscrire le plan incliné dans un schéma d'avenir et de modernisation qui inclut une valorisation touristique du site. Dans le cadre du plan de relance, 14 millions d'euros sont prévus pour la valorisation de biens à haute valeur patrimoniale pour le projet 197. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long pour l'explication du contexte. On pourrait l'être beaucoup plus, mais je vais aller directement aux questions, Madame la Ministre. Depuis nos derniers échanges, quelles rencontres avez-vous pu organiser pour donner un nouvel élan au plan incliné, qui tient à cœur à toute la région du centre? À ce stade, avez-vous été sollicité pour un projet de reprise qui impliquerait les autorités brennoises? Il était question de cette hypothèse. Voilà, je voudrais vous entendre à ce propos. Et en deux, au regard de l'avancée du dossier et du calendrier de l'appel à projet 197, est-ce qu'une initiative de reprise du site de Ronquière pourrait-elle être éligible? Le cas échéant, en l'absence de nouveaux concessionnaires, le titre de propriété détenu par le SPW pourrait-il être un obstacle à une inscription dans le cadre de cet appel? Je voudrais simplement rappeler, évidemment, que vous le savez mieux que quiconque, le SPW est propriétaire et je sais aussi dans mon chef que ce sont des compétences qui seront de toute façon partagées entre vous et votre collègue, le ministre Henry. Je vous remercie pour vos éclairages. Madame la ministre, la parole vous est donnée. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, lorsque vous m'interrogiez en décembre sur le même sujet, je vous ai répondu que je regrettais bien évidemment que la province du Hainaut ne puisse plus valoriser cet élément de notre patrimoine, mais également que la région n'avait pas vocation à être elle-même un opérateur touristique. J'ai en effet rencontré divers acteurs dans le cadre de l'avenir touristique du plan incliné. Cependant, aucune piste concrète ne s'est dégagée à l'heure actuelle, faute d'auteurs de projets identifiés. Je reste bien évidemment attentive à l'évolution de ce site wallon emblématique. Vous évoquez l'appel à projet du plan de relance, donc la fiche 197, qui porte sur la valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Cela peut effectivement être une piste de financement, le site ayant assurément une haute valeur patrimoniale. Mais il faut un projet et une coordination au niveau local afin d'identifier le porteur de projet pour rentrer le dossier dans un délai qui reste très court puisqu'il est établi avant le 1er juin. En outre, plusieurs éléments étant classés et l'ensemble du site en zone de protection, il me semble illusoire d'obtenir les autorisations de patrimoine nécessaires dans les délais. Je n'ai d'ailleurs pas eu de contact dans le cadre de l'appel à projet pour ce site. Je crains donc que cette piste ne soit un faux espoir, même si le titre de propriété du SPW n'est pas un obstacle en soi, puisqu'il suffit que le demandeur puisse se prévaloir d'un droit réel sur le site. En revanche, si un projet concret se dégageait porté par un opérateur, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, le projet 184 du plan de relance, visant à créer de nouveaux produits touristiques liés aux voies d'eau et les promouvoir tant au niveau régional que national et international, serait sans doute une piste de financement possible et moins cadrée dans le temps que l'appel à projet de la fiche 197. Ces crédits sont destinés à l'amélioration et au développement de l'offre touristique fluviale et fluvestre, ainsi que pour le développement et le maillage d'aires de motorhome à leurs abords dans une perspective durable. Cela pourrait constituer, à tout le moins, une première étape vers la redynamisation du site.
Voilà, monsieur le député, ce que je pouvais vous indiquer à ce stade de l'évolution des contacts et du dossier. Monsieur Di Mattia, pour votre réplique. Je voudrais remercier pour la franchise de la réponse. Donc, nous sommes sur un dossier qui est à la fois complexe, qui est urgent, puisque la date du 1er juin, c'est demain, et qui en même temps implique un site qui... C'est sans doute pour ça que les personnes qui m'ont sensibilisé, qui sont évidemment sur le terrain, ont parlé de l'affiche 197, puisqu'il est à haute valeur patrimoniale. Vous semblez indiquer donc une autre orientation. J'espère que toutes les forces vives vont pouvoir se réunir. J'ai cru entendre également, Madame la Ministre, par votre collègue hier, que des travaux d'infrastructure pouvaient être envisagés. En tout cas, c'était dans les éléments de réponse. Donc, il faudra sans doute que les calendriers puissent être harmonisés. En tout cas, je vous remercie pour les pistes que vous évoquez en matière de motorhome et d'amélioration du tourisme fluvestre. Ça me semble être des pistes tout à fait intéressantes et importantes, mais il faut absolument concrétiser maintenant, puisque le site risque de se trouver en déshérence à la suite de l'échéance qui viendra à terme très prochainement. Nous allons maintenant passer à la question de Monsieur Belot sur l'impact de l'augmentation du prix des énergies sur l'offre touristique estivale. Monsieur Belot, si vous avez badgé, vous avez la parole. Voilà, merci. Excusez-moi, Madame la Présidente. Madame la Ministre, les prix des énergies et leur augmentation pourraient logiquement impacter le tourisme et son offre estivale. Ainsi, en France, il peut déjà être constaté que le prix exponentiel des énergies combiné aux conditions climatiques amène certaines structures des municipalités à revoir les activités touristiques et de divertissement qu'elles proposent. C'est notamment le cas à Trouville-sur-Mer, où la réouverture des bassins de natation extérieure est déjà annoncée comme reportée pour des raisons que j'ai évoquées ci-avant. Les volontés des autorités locales sont très fortement sollicitées, pour ne pas dire en difficulté. Au vu des augmentations importantes des coûts des énergies, êtes-vous à l'initiative d'analyse relative aux éventuels impacts des prix sur le tourisme wallon? Craignez-vous pour ce secteur cet été chez nous, en tous les cas pour certaines activités? Avez-vous requis de vos services qu'ils identifient ces impacts? Les avez-vous anticipés en dialoguant d'ores et déjà avec les acteurs des secteurs les plus concernés? Quelles aides logistiques pouvez-vous et comptez-vous réaliser pour la région wallonne afin de soutenir les activités touristiques comme les piscines extérieures, les sons et lumières prévus sur de longues périodes, etc., qui subiraient de plein fouet ces augmentations de prix? Quelle attention portez-vous aux offres touristiques locales pour que celles-ci ne fassent pas supporter la croissance des coûts de consommation énergétique par la collectivité? Je vous remercie des éléments de réponse que vous pourrez nous apporter. Madame la Ministre, pour votre réponse. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, l'augmentation importante des coûts des énergies et son impact sur le tourisme wallon fait actuellement l'objet d'une analyse au sein de l'Observatoire wallon du tourisme. Celle-ci a permis d'identifier à ce stade trois types d'impacts principaux sur le tourisme wallon. Tout d'abord, un impact sur les coûts de fonctionnement des différents opérateurs touristiques, les hébergements et les attractions. Une partie de ces coûts sera répercutée sur les prix demandés aux consommateurs, comme l'indiquait par exemple la Fédération des gîtes de Wallonie dans une récente communication sur cette question. Selon cette fédération, l'augmentation se situe entre 50 et 200 euros et dépend de la capacité de l'hébergement. Néanmoins, il n'est pas certain que cette augmentation entraîne une perte d'attractivité de l'offre touristique wallonne, puisque les opérateurs touristiques des pays ou régions voisines sont soumis aux mêmes contraintes. Ensuite, un impact en termes de budget vacances. En effet, la conséquence la plus directe de l'augmentation des prix de l'énergie est une perte du pouvoir d'achat des touristes qui visitent la Wallonie. Comme les budgets loisirs et vacances sont les moins, entre guillemets, essentiels, ils risquent d'être réduits en priorité par les ménages pour compenser l'augmentation de leur budget énergie et transport. Cela pourrait entraîner une baisse des dépenses moyennes par nuitée ou excursion en Wallonie, mais il s'agit d'un phénomène qui touchera également d'autres secteurs. Enfin,
un impact en termes de destination privilégiée pour les séjours et les excursions directement liées à l'augmentation des coûts des carburants. Il est possible que certains touristes et excursionnistes optent pour des destinations plus proches de chez eux afin de réduire le budget trajet de leur budget vacances ou excursions. Cet impact pourrait avoir un effet favorable au tourisme wallon, entraînant ainsi un accroissement du nombre de touristes provenant de Wallonie ou de régions proches. La manière dont ces différents impacts vont se combiner est encore inconnue et le résultat net pourrait être soit négatif, soit neutre, ou voire positif si la hausse des coûts liés au transport soutient le tourisme d'origine locale. Cette analyse, actuellement au stade préliminaire, va se poursuivre prochainement dans le cadre de la collaboration existante entre le CGT et l'IWEPS, et cette thématique fera l'objet de questions spécifiques lors de prochains sondages menés auprès des acteurs du secteur. À l'instar de toutes les crises auxquelles a dû faire face ce gouvernement, la réflexion est menée de manière concertée et transversale, en tenant compte, bien entendu, des mesures qui seront prises au niveau fédéral, mais aussi au niveau européen, comme l'a indiqué d'ailleurs en commission mon collègue en charge de l'économie. À cet effet, une analyse sectorielle va être réalisée par une task force dirigée par la Banque nationale de Belgique. Les acteurs des différents secteurs, les partenaires sociaux et les ministres vont établir secteur par secteur des mesures nécessaires pour faire face aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, tant en matière de prix que d'approvisionnement. Les résultats de cette analyse nous éclaireront sur d'éventuelles mesures qui pourraient concerner le secteur du tourisme. Nombre d'entre eux, donc nombre d'opérateurs, exploitants en personne physique, bénéficient d'ores et déjà de la réduction de la TVA à 6% sur l'énergie décidée par le gouvernement fédéral. Voilà à ce stade, monsieur le député, ce que je pouvais vous indiquer. Monsieur Belot, pour votre réplique. Je note bien entendu que des études et des analyses sont effectuées actuellement avec, bien entendu, comme conclusion des effets contradictoires, enfin, qui peuvent se neutraliser, plus exactement, entre, d'une part, l'effet direct sur les prix directs réclamé par les opérateurs, mais aussi la volonté et sans doute la décision de nombreux Wallons ou Belges ou dans l'interland de la Wallonie de ne pas trop se déplacer du fait de la hausse des coûts de l'énergie et donc de favoriser peut-être le tourisme d'un jour ou des tourismes plus locaux. Et donc ce sont des effets bien entendu contradictoires qu'il conviendra d'analyser. Et puis, eh bien, une autre donnée pour laquelle nous n'avons aucune prise non plus, c'est bien entendu le climat que l'on sait être, avoir un effet immédiat sur l'activité touristique dans notre région. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec les vacances de Pâques. Avec une météo favorable, il y a beaucoup de Belges qui ont décidé de séjourner en Belgique, tant dans les campings qu'en hôtel, qu'en tourisme d'un jour. Donc voilà. Ce sera extrêmement difficile. Le dernier élément, c'est bien entendu pour les activités dont la consommation énergétique est très importante, où on ne connaît pas encore aujourd'hui s'ils vont reporter sur le prix immédiat, le prix à facturer. Vous avez parlé des gîtes, bien entendu, des hôtels, mais il y aura aussi les prix d'entrée dans les attractions qui ont une consommation énergétique importante, mais on suivra le dossier de près, bien entendu. Merci en tous les cas pour les éléments de réponse. Monsieur Di Mattia, vous avez la parole pour poser votre question sur l'avancement du plan d'accessibilité des sites touristiques. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, au travers de différents précédents échanges, vous avez mis en évidence la volonté de faire de l'accessibilité des sites touristiques une des priorités de votre mandat. Alors, cette priorisation se traduit notamment par la pérennisation de la collaboration entre le CGT, la SBL, Access I et la VIC et le développement d'un plan d'action spécifique piloté par ce dernier. Par le CGT. Nous avions également évoqué le maigre succès rencontré par l'appel à projet lancé durant l'année 2019.
auprès des hébergements touristiques. Au-delà de la certification, quelles mesures concrètes prenez-vous dans le cadre du plan d'action du CGT pour accompagner les opérateurs dans toutes les étapes de leur projet au bénéfice du renforcement de l'accessibilité des sites touristiques ? Sensibilisez-vous les opérateurs au nécessaire travail de certification accompli par le partenaire Access-I et comment les motivez-vous à s'inscrire dans cette dynamique ? Avez-vous concrétisé la création d'une nouvelle plateforme en ligne destinée à développer le volet communicationnel ? Le cas échéant, y allouerez-vous un nouveau budget ? Plus de 2 années après sa mise en œuvre, avez-vous pu liquider l'intégralité des montants de subvention de l'appel à projet du plan wallon d'investissement relatif aux améliorations de l'accessibilité des sites hébergements touristiques ? Avez-vous pu identifier les raisons de la sous-utilisation de l'enveloppe, particulièrement au niveau des hébergements ? Et envisagez-vous de lancer un nouvel appel ? Selon quelles modalités ? Enfin, comment intégrez-vous la question de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le cadre des projets d'infrastructures touristiques du plan de relance wallon ? Comment allez-vous inscrire de manière structurelle cette question dans la révision du code wallon du tourisme ? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la ministre, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je réitère en effet ma volonté de faire de l'accessibilité des sites touristiques au sens large du terme l'une des priorités de cette législature. Vous mentionnez la pérennisation de la collaboration entre le CGT, la SBL Access-I, puisque j'ai décidé de renouveler la convention triennale liant mon administration et cette ASBL pour un montant de 300 000 euros sur 3 ans. En revanche, si j'ai bien mentionné les 3 organes, je me dois de préciser que les conventions CGT Access-I et AVIC Access-I sont distinctes. Je ne sais donc pas à ce stade quelle est la position de ma collègue en charge de l'action sociale et de son administration quant à la convention avec Access-I. Pour informer et sensibiliser les acteurs touristiques au travail de certification, le CGT et la SBL Access-I œuvrent ensemble par le biais de diverses actions en matière de manière continue. L'édition d'un guide pratique « Accueillir les personnes en situation de handicap », la participation à des événements et les articles sur les sites web. Tel que précédemment mentionné, le plan d'action du CGT poursuit ses objectifs de développement d'une offre touristique accessible au plus grand nombre. En collaboration avec la SBL Access-I, qui travaille à la sensibilisation des acteurs touristiques et à l'information des touristes grâce à la certification qu'ils réalisent. Au sujet de la nouvelle plateforme, le site d'Access-I arrive à saturation et éprouve des difficultés à répondre aux besoins des publics cibles. Ce projet de refonte est en réflexion, mais il ne relève pas de mes compétences ministérielles. En effet, Access-I n'est pas un organe dédié au tourisme, mais à l'accessibilité des espaces ouverts au public de manière générale. Bien que je sois totalement disponible et ouverte à la réflexion, le tourisme y sera un point d'entrée parmi d'autres. Les bâtiments publics administratifs, les piscines, les centres de vaccination il y a peu. J'y suis donc attentive, mais ne mène pas ce projet. La question du budget apparaît donc prématurée. Pour ce qui concerne l'appel à projet, accessibilité du plan wallon d'investissement, l'arrêté ministériel du 16 mai 2019 prévoyait la liquidation immédiate d'une première tranche de 25% et la liquidation du solde dans les 24 mois à dater de la signature de l'arrêté ministériel. Suite à l'impact de la crise sanitaire, un second arrêté ministériel, daté du 29 octobre 2020, a modifié le premier, prévoyant une liquidation en 3 tranches, dont la dernière doit être liquidée au plus tard, le 16 mai 2023. Le montant total du budget engagé pour les hébergements touristiques est donc de 284 955 euros pour 11 dossiers. Les raisons de la sous-utilisation de l'enveloppe sont donc dues au retard dans la réalisation des projets en raison des perturbations engendrées par la crise sanitaire. Dans le cadre du plan de relance wallon, chaque fiche, lorsque cela est techniquement réalisable, intègre de façon transversale des objectifs, obligations d'accessibilité, notamment dans les cahiers des charges des appels à projets. Tout projet d'infrastructure qui sera mené dans ce cadre devra en effet prendre en compte l'accessibilité aux personnes à besoins spécifiques. Je vous informe également que le gouvernement a approuvé le 16 décembre 2021, sur proposition de Madame Réal, le modèle de test
Andy Streaming, qui vise à prendre en compte de manière systématique dans l'ensemble des compétences de la Wallonie la dimension du handicap. Le gouvernement a notamment décidé d'intégrer pour chaque projet du plan de relance de la Wallonie la dimension du handicap. Il faut aussi rappeler que le Code été prévoit certaines obligations relatives à l'accessibilité et à l'usage des espaces et des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public dans le cadre de la délivrance de permis. Enfin, tel que déjà exprimé, l'accessibilité est un point d'attention qui m'est important. Dès lors, ce focus sera évidemment intégré dans la réforme du Code wallon du tourisme. Les travaux de réflexion et de rédaction sont en cours. Il m'est encore difficile à ce stade de vous apporter des précisions concrètes quant à la mise en œuvre de cet objectif. Voilà, merci pour votre attention, monsieur le député. Monsieur Di Mattia, pour votre réplique. À mon tour, madame la ministre, je vous remercie pour la clarté de votre réponse. Je me réjouis du renouvellement de la convention avec Accessi. Elle est, c'est la pierre de fondation, je dirais, de toute politique en la matière. Vous avez parfaitement raison, madame la ministre, de rappeler que Accessi, le tourisme ne sera qu'un élément parmi d'autres, puisque ses prérogatives sont évidemment beaucoup, beaucoup plus larges. Je me réjouis également du positionnement fort du gouvernement wallon en décembre dernier en matière d'intégration de la dimension handicap dans chaque projet. Donc c'est une avancée qui est quasiment historique. Mais par contre, madame la ministre, je suis un petit peu sur ma faim sur la liquidation des subventions, parce que je peux entendre le retard lié à la crise, mais toujours est-il que nous avons pris du retard, mais nous en sommes restés aux projets initiaux, c'est-à-dire les 11 de départ, et donc c'est un petit peu maigre en matière d'ambition concrète, et je le regrette évidemment. J'imagine que vous pouvez partager mon sentiment également au regard du non-verbal que vous manifestez. Merci. Monsieur Di Mattia, nouvel exercice, je vous recède la présidence. Très bien. Je vais céder la parole à madame Goffinet en lui laissant évidemment le temps de s'installer, de sorte à ce qu'elle puisse poser sa question sur l'impact de la réforme des rythmes scolaires sur le secteur du tourisme. Madame Goffinet, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le Président. Eh bien, le 30 mars, la réforme des rythmes scolaires a été effectivement, définitivement adoptée par notre fédération Wallonie-Bruxelles. Et comme j'ai déjà pu le souligner lors de nos précédentes interventions, nos précédents échanges, cette réforme aura évidemment d'importantes répercussions sur le secteur du tourisme en Wallonie. Et dès le début, avant que ce vote n'intervienne, bien de nombreux acteurs avaient souligné ces impacts et souhaitaient que des initiatives soient prises afin de permettre au secteur touristique de pouvoir s'adapter à cette réforme. Donc on rappellera que celle-ci est menée dans le seul secteur de l'enseignement obligatoire francophone, sans coordination avec l'enseignement supérieur, qui, lui, est quand même le secteur, quelque part, qui pourvoit de nombreux jobistes, et que cette réforme n'a pas fait lieu aussi de coordination avec les autres communautés. Mais j'en viens à mes questions, Madame la Ministre. Lors de notre dernier échange, vous m'aviez dit que la consultation du secteur du tourisme wallon se poursuivait, et vous m'indiquiez également que si des opportunités étaient relevées, des craintes avaient également été exprimées, notamment en ce qui concerne le travail saisonnier. Et donc, dans ce cadre, j'aurais aimé vous entendre sur le sujet. Avez-vous pu avancer sur ces sujets ? Des pistes de solutions ont-elles été avancées ? Si oui, lesquelles ? Vous m'aviez aussi également indiqué que la question du travail des étudiants du supérieur constituait un point d'attention et qu'il avait été relayé notamment au Centre de compétences du tourisme ainsi qu'au Forum. Et donc, pourriez-vous nous indiquer quelles suites ont été données par rapport à ces aspects ? Avez-vous eu une concertation avec la ministre en charge notamment de l'enseignement supérieur ? Concernant plus particulièrement le
les mouvements jeunesse. Pourriez-vous nous faire le point sur cette réunion que vous aviez évoquée, qui avait lieu le 25 mars. Le groupe de travail regroupant le CGT et l'ASBL à Toucan a-t-il pu également formuler des recommandations? Si oui, lesquelles? Et enfin, maintenant que l'on a les informations que cette réforme est votée, que le calendrier est connu, je voudrais que vous puissiez nous faire le point sur les campagnes de communication qui auront ou qui auront lieu prochainement. Merci d'avance. Voilà pour la réponse, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, la consultation du secteur du tourisme wallon sur les impacts potentiels de la réforme des rythmes scolaires a en effet été poursuivie, que ce soit entre le CGT et les représentants des acteurs concernés ou entre le gouvernement régional et celui de la fédération. Une réunion s'est effectivement tenue le 1er avril dernier avec le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à son initiative d'ailleurs, avec la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement, mon collègue en charge des pouvoirs locaux et moi-même. De ces échanges très constructifs est ressortie une première initiative, à savoir l'envoi d'un courrier commun invitant les différentes parties prenantes à s'engager dans une démarche visant à répondre aux besoins des mouvements de jeunesse. Concrètement, il est fait appel au privé pour la mise à disposition de prairies, appel aux communes pour faciliter l'accueil des groupes, appel aux associations et aux pouvoirs régionaux et communautaires afin de clarifier les problèmes de mise à disposition et de mise aux normes incendie de bâtiments sportifs et scolaires. Mon collègue en charge des pouvoirs locaux pourra vous développer plus précisément le renforcement de la stratégie Wellcamp, dont le budget sera pratiquement doublé. De mon côté, en fonction des disponibilités budgétaires, j'envisage de lancer pour 2023 un nouvel appel à projet pour la création de nouveaux endroits de camp afin de répondre à la demande des acteurs de terrain. Comme vous savez, il y a à la fois la réforme des rythmes scolaires à laquelle il faut s'adapter, mais aussi le problème structurel de disponibilité des endroits de camp qui existait avant cette réforme. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous le savez, a quant à lui déjà prévu des budgets afin de répondre aux conséquences du projet de décret des rythmes scolaires, donc 1 250 000 pour la remise en état des locaux des mouvements de jeunesse leur permettant d'être labellisés comme endroits de camp. On estime plus ou moins une centaine de projets. 110 000 euros pour l'engagement de 2 équivalents temps plein au sein de l'ASBL à Toucan pour une période de 2 ans, en complément de la subvention de 173 000 euros octroyée par le CGT pour les mêmes missions. Concernant à Toucan, les contacts avec l'ASBL et les représentants de secteur sont constructifs et nous partageons tous le même but, mettre à la disposition des mouvements de jeunesse un maximum d'endroits de camp labellisés, de qualité et à un prix raisonnable. Donc, de nouveaux objectifs ont été fixés avec l'ASBL au regard des moyens alloués et des missions qui lui sont confiées pour prioriser la labellisation de nouveaux endroits de camp par rapport au contrôle périodique. Certains freins à la labellisation ont été identifiés et nous travaillons avec le CGT pour les supprimer. De manière générale, cette réforme est majoritairement perçue comme une opportunité au niveau du secteur touristique car elle permet un allongement des plages de vacances. Les premières études parlent d'un accroissement du chiffre d'affaires d'environ 10%, mais l'impact est encore difficilement quantifiable puisqu'il sera directement lié au comportement touristique des familles, avec le choix de rester en Belgique ou de partir à l'étranger. Certains points d'attention ont effectivement été relevés à l'occasion de ce travail de réflexion essentiellement relatif à la question du travail saisonnier, comme vous l'indiquez. Cette question spécifique sera abordée dans le cadre d'un groupe de travail formation qui sera instauré prochainement avec le CGT, WBT et le Centre de compétences tourisme. Mais il ressort d'une première analyse que ces impacts seront limités puisque les congés du supérieur et les moments de disponibilité étant déjà en partie décalés par rapport aux vacances de l'enseignement obligatoire. Quant à une éventuelle communication, comme je l'avais déjà indiqué précédemment, l'ASBL Wallonie-Belgique Tourisme travaille sur base d'un programme de communication annuel lié au rythme des vacances scolaires depuis 2021. Ce calendrier qui évoluera sur base de ces nouveaux rythmes scolaires est défini en fonction de l'ouverture des opérateurs touristiques, mais aussi des demandes des visiteurs. Et la communication sera donc bel et bien adaptée à chacun, francophone, néerlandophone ou touriste venant de l'étranger.
Voilà, je vous remercie pour votre attention, Madame la députée. Madame Goffinet, pour votre éventuelle réplique. Je suis un peu en fait déçue par votre réponse, parce que j'ai l'impression que au fil des échanges, vous disiez toujours on va concerter, on va discuter, et j'ai l'impression qu'on attend la vote de la réforme pour agir et pour réagir. Alors j'entends qu'un courrier commun est envoyé, c'est bien, mais je crois qu'il faut vraiment des actions concrètes et qu'on aurait pu quelque part anticiper les choses. Vous avez évoqué les problèmes qui existent, notamment pour l'accueil des différents mouvements de jeunesse, et lancer un appel à projet, je trouve vraiment ça bien pour pouvoir stimuler le secteur et répondre aux attentes et aux problèmes structurels. Mais il me semble que 2023, c'est tard, parce que le problème va se poser déjà fin d'année. Il existe déjà. Donc j'aimerais vraiment vous entendre sur le sujet de manière plus proactive. Et le travail, notamment des étudiants, je regrette qu'on va seulement initier prochainement une réunion alors que ce problème est soulevé depuis un bon moment. Madame Goffinet, je vous rends la présidence. Oui, merci, monsieur Di Mattia. Nous allons maintenant passer sur un autre volet qui est le volet petite enfance et allocation familiale. Comme je ne vois pas Madame Delporte dans notre assemblée, sa question est reportée à la fin de ce chapitre. Nous allons alors dès lors aborder quatre questions groupées, et pour ce faire, je vais devoir céder la présidence à Monsieur Agache, qui a bien voulu la prendre. Merci beaucoup, Madame la présidente. Faisant fonction. Donc l'ordre du jour appelle maintenant quatre questions conjointes de M. Di Mattia, Mme Laffu, M. Antoine et Mme Goffinet. La parole est donc d'abord à M. Di Mattia pour sa question portant sur la création de nouvelles places dans le milieu de la petite enfance. Vous avez la parole. Merci M. le Président. Madame la Ministre, afin de soutenir la petite enfance, la formation et l'emploi, en particulier celui des femmes, le gouvernement a validé à la toute fin du mois de mars une enveloppe de 131 millions qui permettra de créer d'ici 2026 pas moins de 3143 nouvelles places supplémentaires en crèche grâce au lancement d'un appel à projet. Parallèlement, le gouvernement a également adopté un nouveau cadre de collaboration plus structurelle avec la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de doter les entités d'un outil juridique solide pour envisager le développement de l'offre d'accueil de la petite enfance à l'avenir et permettre aux parties de lancer plus régulièrement de nouveaux appels à projets. L'ouverture de ces nouvelles places n'est qu'une première étape d'une ambition plus large, celle de créer en plus 4 000 supplémentaires afin d'atteindre le taux de 33 places subventionnées pour 100 enfants dans chaque commune wallonne. Outre le nécessaire respect des normes ONE, les infrastructures envisagées devront répondre à des normes de performance énergétique et à des critères d'implémentation précis. Dans ce cadre, quels sont les critères arrêtés par le gouvernement dans sa décision du 31 mars pour assurer une juste répartition des places entre les provinces ? Concernant le volet énergétique, les retours de formulaires envoyés par l'ONE à l'ensemble des crèches subventionnées ont-ils permis au SPOE Affaires intérieures et sociales d'établir un cadastre précis des infrastructures? Le cas échéant, prévoyez-vous déjà une série d'audits dans les mois à venir et des mesures spécifiques liées à la rénovation du bâti? Si le nouveau cadre de coopération avec la Fédération devrait apporter de la souplesse dans le lancement des futurs appels à projets, quelles pistes explorez-vous dans le cadre de votre concertation avec les entités wallonnes pour renforcer le taux de couverture et espérer atteindre rapidement le fameux taux de 33 places subventionnées pour 100 enfants? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, M. Di Mattia. La parole est à présent à Mme Laffu pour sa question portant sur le plan équilibre. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, le plan équilibre dévoilé fin du mois dernier et portant sur les nouvelles places d'accueil pour la petite enfance en Wallonie comporte deux volets. La création de 1757 places d'accueil dans le cadre du plan de relance et de résilience européen est destinée à 39 communes liégeoises et nuières définies selon des critères cumulatifs
de taux d'emploi des femmes, de taux de ménage monoparental, de revenus et de couverture des besoins de l'accueil de la petite enfance, et la création de 1386 places dans le cadre des budgets wallons du plan de relance destiné aux autres communes et réparties entre les arrondissements en proportion du nombre de places d'accueil manquantes. Pour y prétendre, les pouvoirs publics et les secteurs associatifs devront répondre à un appel à projet donc lancé dans le courant de ce mois d'avril selon des critères de recevabilité exigeants puisque les infrastructures subsidiées à 80%, création ou extension de crèches ou transformation de lieux d'accueil, devront atteindre des normes de performance énergétique et environnementale élevées et être implantées prioritairement dans des zones accessibles en transport en commun. Cette condition risque d'exclure du plan équilibre les communes les plus rurales de notre région. Madame la ministre, j'aurais aimé savoir ce que vous comptiez mettre en place pour que les communes rurales ne soient pas pénalisées par cette condition. Je vous remercie. Merci. La parole est à présent à Monsieur Antoine pour sa question portant sur l'organisation et le calendrier de la répartition des 3000 nouvelles places d'accueil dans les crèches. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la ministre, ravi de vous retrouver, d'autant plus que la bonne nouvelle est tombée concernant la création de nouvelles places d'accueil dans les crèches. Il est vrai que l'urgence était particulièrement prégnante lorsque l'on voit la saturation d'un grand nombre de milieux d'accueil dans les différentes régions de Wallonie. On vient de le rappeler, sur les 3000 places que compte subsidier la région Wallonne, celle-ci va se déployer dans deux volets. La première, 1757, financée à travers le plan de relance européen, et celles-ci devront être créées dans 39 communes identifiées en raison du faible taux d'emploi des femmes, du taux élevé des familles monoparentales, du faible revenu par habitant ou encore parce que ces communes comptent trop peu de crèches. Première question à ce propos, est-ce que cette liste de communes est-elle définitivement arrêtée ou peut-elle encore se compléter, voire se modifier en fonction du succès ou non rencontré par l'appel à projet ? En ce qui concerne le deuxième volet, les 1386 places subventionnées cette fois-ci par le budget wallon, ne faudrait-il pas privilégier les communes où le taux d'emploi est particulièrement élevé et où un certain nombre de parents rencontrent de très nettes difficultés à pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle faute de structures d'accueil pour leurs jeunes enfants. J'imagine que pour ces deux volets, il faudra répondre à un appel à projet, respecter des critères, un calendrier et singulièrement se soucier, quoi de plus normal, du respect des normes énergétiques, de l'accessibilité en transport en commun, ai-je lu, voire même d'une proximité avec une offre de services publics. Et pour le premier volet européen, le tout devant se concrétiser en principe pour le 31 août 2026. Dès lors, pour ce premier volet, qui est limité dans le temps, quel sera le calendrier ? N'y aura-t-il qu'un seul appel à projet ? Y en aura-t-il un second en cas, de réponse qui soit insuffisante par rapport au budget qui est avancé ? Pour le volet wallon, si vous me permettez d'y revenir, quelles seront les crèches concernées ? Parce que j'ai vu dans ce plan équilibre différentes informations. Allez-vous intervenir pour des crèches déjà existantes, mais en besoin de réhabilitation, en besoin d'investissement en termes de travaux économiseurs d'énergie, ou bien sera-ce uniquement réservé à la création de nouvelles places, de nouvelles crèches ? Il y a donc là une question importante sur les critères d'éligibilité que vous voulez privilégier. Et entrevoyez-vous, pour ce volet-là, une répartition sous-provinciale pour que chacune des régions de Wallonie puisse bénéficier de cette offre de subventionnement. Et à ce propos, quel sera le taux de subventionnement reconnu ? Est-ce que ce sera un pourcentage des travaux, un montant forfaitaire ? Est-ce que ce sera lié à la place créée ou à la crèche ? Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de pouvoirs locaux et de milieux associatifs attendent très légitimement des précisions pour se préparer à répondre à votre appel. Ces subventions régionales pourront-elles se combiner avec d'éventuelles subventions communales, voire provinciales ? Et outre les pouvoirs locaux, est-ce que des associations non subventionnées par l'ONE pourront-elles, oui ou non, déposer d'un dossier ? Et si oui, dans quel délai y aura-t-il, comment dirais-je, une répartition entre pouvoirs publics ou associatifs, ou au contraire,
sera finalement la qualité des dossiers et le nombre de places visées qui sera privilégié en la matière. S'il devait y avoir une répartition par province, comme c'est un peu le cas, reconnaissons-le, pour le programme européen, pouvez-vous nous préciser quelle sera la part des différentes provinces concernées, et singulièrement la nôtre, puisque nous vivons dans la même province. Enfin, Madame la Ministre, quel montant financier sera affecté à chaque poste APE, puisque c'est évidemment ça l'élément indispensable du fonctionnement de ces crèches. J'ai lu un équivalent 1,5 temps plein pour 7 enfants gardés, et là aussi, le nombre de points, mais là je fais référence à une ancienne législation, je voudrais plutôt parler du montant budgétaire dorénavant qui sera versé par votre collègue Montréal, et j'imagine que les décisions seront prises conjointement, ou peut-être est-ce vous seul qui déciderez, et Mme Montréal fournissant alors les moyens budgétaires sur le plan des APE. Et cette programmation est-elle bien organisée? Parce qu'évidemment, il ne faudrait pas que des bâtiments soient disponibles sans que le personnel ne soit présent. Enfin, quelle sera la relation avec l'ONE? Est-ce que l'ONE sera un facteur de sélection des projets? Ou bien est-ce que finalement l'ONE n'interviendra que pour l'agrément de ce que vous aurez in fine décidé de subventionner? Voilà de très nombreuses questions, mais j'avoue qu'avec ma collègue Mme Goffinet, nous sommes revenus à charge plusieurs fois, et aujourd'hui que la décision est tombée, vous ne voudrez pas de poser un certain nombre de questions de détail, mais qui sont essentielles pour la constitution des dossiers. D'ores et déjà, je vous remercie. La parole est à présent à Mme Goffinet pour sa question portant sur l'accord sur la création de nouvelles places d'accueil. Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai, comme l'a rappelé mon collègue, nous avons déjà beaucoup échangé sur le sujet. Et la dernière fois que nous nous étions quittés, on s'était quittés en fait sur le constat d'un blocage au sein du gouvernement wallon concernant bien le financement de ce personnel des places d'accueil via les APE. Et j'avais d'ailleurs insisté sur la nécessité de parvenir rapidement à un accord pour lancer l'appel à projet dans les temps. Et donc, voilà, nous sommes donc heureux que c'est avancé, puisque fin mars, le gouvernement a annoncé un accord sur le dossier et l'adoption en première lecture du plan équilibre qui vise à créer 3143 places supplémentaires pour l'accueil de la petite enfance en Wallonie. Donc, je ne vais pas refaire l'état de la situation. Je vais en venir directement à mes questions, Madame la Ministre. Tout d'abord, puisque l'accord est intervenu au sein du gouvernement wallon, je voulais savoir s'il y a eu d'autres consultations, d'autres échanges avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou avec la ministre en charge de la petite enfance. Concernant l'appel à projet aux pouvoirs locaux et au secteur associatif, vous aviez annoncé qu'il serait lancé en avril. Je veux savoir exactement ce qu'il en était. Et vu les délais, combien de temps, en fait, disposeront les candidats pour rentrer le dossier? Et y aura-t-il une aide administrative pour constituer ces dossiers? Quand seront annoncées, en fait, la liste des dossiers sélectionnés? Quelles sont, en fait, les différentes échéances prévues? Et puis, lors des différents appels à projets qui avaient été lancés, il y avait un manque de réactivité qui a pu être constaté dans deux provinces, plus particulièrement la province du Hainaut et de Liège, qui explique la présence de nombreuses communes de ces deux provinces dans la liste, en fait, de ces 39 communes prioritaires. Et donc, par rapport à ces aspects, je voulais savoir s'il y avait une attention particulière qui allait être ou qui va être apportée pour sensibiliser tant les pouvoirs publics, mais les secteurs associatifs de ces provinces pour répondre à cet appel à projet. Merci d'ores et déjà de vos réponses. La parole est à présent, Madame la Ministre, pour les nombreuses questions qui lui ont été posées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Merci pour vos questions respectives qui, en fait, sont très, très complémentaires. Et donc, j'ai préparé une réponse qui est quand même assez longue. Donc, je vous préviens d'avance qu'il y a quelques minutes qui seront consacrées à cet important dossier.
Donc, le gouvernement wallon a validé le 31 mars dernier, en première lecture, le plan équilibre, visant à créer 3143 places supplémentaires d'accueil pour la petite enfance en Wallonie. Plus de 130 millions ont été dégagés en infrastructures pour ce vaste projet, auquel viennent s'ajouter les moyens en emploi. Ce plan est le fruit d'un travail d'un an et demi entre les trois cabinets, celui de la ministre de la Petite Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mme Linard, de la ministre de l'Emploi, Mme Réal, et le mien. Et le tout, bien sûr, en bonne collaboration avec nos administrations respectives. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer au sein de cette commission, ce nouveau plan équilibre wallon comporte deux volets, rappelés par quelques-uns d'entre vous. Un premier volet portant sur la création de 1757 places dans le cadre du plan de relance et de résilience européen, et un second volet visant la création d'un minimum de 1386 places dans le cadre du budget wallon du plan de relance. Alors, le premier volet, le volet européen, concerne 39 communes éligibles. Il s'agit des communes qui connaissent cumulativement un faible taux d'emploi de femmes, un taux élevé de ménages de type monoparental, un faible revenu par habitant et un taux de couverture faible sous les 33% de places subventionnées. Ces critères ont été arrêtés en raison du fait que l'obtention du financement européen était conditionnée à un certain ciblage. Et donc, Monsieur Antoine, je vous confirme que la liste des 39 communes est définitive. C'était une condition sine qua non de la Commission européenne. En ce qui concerne le second volet, le volet wallon, les nouvelles places seront réparties dans les communes autres que celles visées dans le plan de relance et de résilience européen. Les nouvelles places seront réparties entre les arrondissements en proportion du nombre de places d'accueil manquantes. Elles viendront ainsi compléter le maillage du territoire wallon. Le taux de couverture est donc pour l'instant le critère objectif pris en compte pour la répartition des places dans le cadre de ce second volet. Cependant, contrairement au précédent plan, le besoin en place a été établi par arrondissement et non pas par province. De plus, s'il n'y a pas suffisamment de candidatures pour couvrir le besoin en place d'un arrondissement, un glissement de places entre les arrondissements pourra être effectué. La combinaison de ces deux possibilités pourra ainsi permettre à une commune d'obtenir des places, même si son taux de couverture est déjà élevé. Je ne dois pas vous rappeler que les moyens disponibles pour les plans Cigogne successifs n'ont pas été consommés entièrement. Et donc, je ne peux donc qu'inciter les porteurs de projets à déposer un projet, quand bien même leur projet serait situé dans une commune avec un taux de couverture élevé, dans une province avec un taux de couverture élevé, donc dans une commune ou dans une province. À titre indicatif, Monsieur Antoine, le nombre minimal de places qui est prévu pour l'arrondissement Nivelles, donc le Brabant wallon, est actuellement de 347 places, nombre qui peut par ailleurs évoluer. L'appel à projet portant sur les deux volets sera lancé à la fin de ce mois. Il s'agira bien, Monsieur Antoine, d'un seul et même appel à projet pour les deux volets. Et donc l'appel à projet sera mené en une seule opération pour des questions de simplification administrative. Le SPW, Affaires intérieures et actions sociales, l'ONE et le Forum organiseront des séances d'information conjointes dans chaque province durant le mois de mai. Elles auront pour but d'informer et de sensibiliser les potentiels futurs porteurs de projets et singulièrement, Madame Goffinet, dans les provinces du Hainaut et de Liège. Les dossiers de candidature devront être rentrés à la fin du mois de septembre. Cela laissera 4 mois après les séances d'information aux porteurs de projets pour rentrer leurs dossiers. Dans ce cadre, Madame Goffinet, je vous confirme qu'un prestataire de service devrait être désigné par le SPW intérieur et affaires sociales via un marché public afin de fournir une aide aux demandeurs pour l'introduction de leur candidature. Donc c'est véritablement une volonté d'accompagnement des différents porteurs de projets que le gouvernement a voulu mettre en place, notamment par rapport aux aspects énergétiques et environnementaux. Il assistera également les candidats dans la rédaction de leur dossier de candidature. C'est une innovation par rapport au plan précédent. On a un peu tiré des leçons finalement et l'accompagnement est vraiment fondamental pour
pour aider les porteurs de projets, mais surtout aussi pour accélérer la démarche, puisque nous sommes ici dans le cadre de la relance. Quant à l'annonce des dossiers sélectionnés, nous ne pouvons actuellement pas nous prononcer sur une date, mais nous espérons notifier la sélection de ceux-ci avant la fin de l'année 2022. Toutes les crèches ayant comme modèle de destination le subside d'accessibilité au sens du titre 3 de l'arrêté du gouvernement de la communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et de co-accueillantes d'enfants indépendants qui créent de nouvelles places et qui répondent aux critères de recevabilité seront concernés par cet appel à projet. Par conséquent, Monsieur Antoine, des travaux d'efficacité énergétique ou de réhabilitation pourront être subventionnés pour autant que les nouvelles places créées le soient donc pour autant que ce soit de nouvelles places créées dans la limite du nombre de places créées. L'appel à projet sera ouvert aux ASBL, aux sociétés coopératives agréées comme entreprises sociales, aux fondations et aux établissements d'utilité publique, dont les villes et communes, les intercommunales, les CPAS ou les associations régies par le chapitre 12 de la loi organique des CPAS. Il n'y aura pas, Monsieur Antoine, de distinction dans le classement entre les communes et le secteur associatif. En ce qui concerne les critères de sélection, Messieurs Dimathia et Antoine, tous les dossiers devront tout d'abord respecter les critères de recevabilité, à savoir une ouverture de places projetées au plus tard pour le 31 août 2026 et l'atteinte de normes de performance énergétique et environnementale fixées dans l'appel à projet, dont notamment l'atteinte d'un taux d'isolation thermique performant et le recours à matériaux de construction biosourcés. Les porteurs de projets devront également s'engager à répondre aux conditions d'octroi du subside de renforcement prévues par le contrat de gestion de l'ONE, donc le contrat de gestion qui porte sur les années 2021-2025. Enfin, les porteurs de projets devront s'engager à respecter le maintien de l'affectation du bâtiment à l'activité d'accueil et, le cas échéant, les modalités de délégation pour la gestion de l'infrastructure. Alors, Monsieur Antoine me demandait la place de l'ONE. Donc, en fait, l'ONE prépare les dossiers avec le SPW Intérieur et Affaires Sociales pour la décision du gouvernement wallon. Il faut vraiment indiquer qu'il n'a jamais été impliqué autant à ce point depuis le premier plan Cigogne en 2001. Alors, s'il y a plus de projets recevables rentrés que de moyens disponibles, les projets seront classés selon les critères de classement suivants. 1. Chaque candidature sera classée par volet. Pour les projets recevables dont l'implantation est prévue dans l'une des communes ciblées par le volet 1, le classement se fera par commune sur base du taux de couverture subventionné, la priorité étant donnée aux taux les plus bas. Pour les projets recevables du volet 2, le classement se fera par arrondissement sur base du taux de couverture subventionné, la priorité étant donnée aux taux les plus bas. 2. Si ces critères s'avèrent insuffisants, les projets seront classés selon un indice composite, considérant les critères suivants selon les pondérations suivantes. 1. Le taux de couverture globale, 10 points. 2. Le taux de couverture en place subventionnée, 35 points. 3. La situation socio-économique de l'entité géographique, mesurée par le revenu moyen ou médian, le taux de monoparentalité et le taux d'emploi de la population féminine, chacun de ces trois critères valant 5 points. 4. Le délai d'entrée en opérationnalité, 10 points. 5. L'accessibilité permettant de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations sociales particulières, 10 points. 6. L'accessibilité et l'implantation de l'infrastructure, 10 points. Et 7. L'infrastructure, les objectifs énergétiques poursuivis et la qualité du bâti, 20 points. Pour en venir donc au questionnement de Mme Laffut, comme vous pouvez le constater, l'accessibilité et l'implantation de l'infrastructure sont donc des critères de classement parmi d'autres. Ils ne constituent toutefois pas des critères de recevabilité. L'objectif est de tenir compte dans les choix des projets de l'accessibilité des crèches, notamment aux utilisateurs de transports en commun, dont les familles les plus précarisées. L'accessibilité en transport en commun représente 1,8% de la note globale. Cette note n'est donc pas prépondérante dans le choix des projets qui seront retenus.
De plus, les critères de classement tiennent compte également de la mobilité douce et de l'accessibilité en voiture. Ces critères ne désavantagent pas les communes rurales, qui pourraient être mieux pourvues en ce type d'infrastructure que les communes urbaines. Dès lors, les communes les plus rurales de notre région ne seront pas forcément pénalisées par rapport aux autres communes. En ce qui concerne, M. Antoine, le taux de subvention, celui-ci a été fixé à 80% des travaux subsidiables. Toutefois, le montant des taux subsidiables sera limité à 41 000 euros hors TVA par place créée. Cette subvention peut être combinée à d'autres subsides ou aides, par exemple émanant du département de l'énergie du SPOE, mais le total ne peut excéder 100% du coût total du projet. Il s'agit d'éviter, vous l'aurez compris, le double subventionnement. Le solde est pris en charge par le porteur de projet, qui peut être un pouvoir local, comme vous le posez dans votre question. Par ailleurs, les projets sélectionnés bénéficieront d'une subvention à l'emploi équivalent à 1,5 équivalent temps plein par tranche de 7 places créées dans les conditions définies par le décret du 10 juin 2021. Donc c'est le décret qui porte sur la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi, les APE, et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. Naturellement, Madame Goffinet, les consultations entre le gouvernement wallon et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi qu'entre les administrations concernées, avaient déjà eu lieu avant l'adoption du protocole d'accord. Ces mêmes textes ont été approuvés par les deux gouvernements. Les contacts étroits se poursuivent entre les cabinets et les administrations des deux entités en vue de la mise en place de ce plan équilibre. Enfin, Monsieur Di Mattia, parallèlement au plan de relance, le formulaire établi par le SPOE Intérieur et Affaires sociales a été envoyé par l'ONE à l'ensemble des crèches subventionnées. À ce jour, environ 42% des crèches l'ont complété et renvoyé au SPOE Affaires intérieures. Les réponses reçues n'ont pas encore fait l'objet d'une analyse complète par le SPOE. Elles seront étudiées et permettront de mettre en exergue les problèmes les plus récurrents et ainsi de faire un premier classement général de l'état des infrastructures en fonction de différents critères, donc neuf, bon, moyen ou vétuste. Après ce premier classement, une étude plus poussée de certaines infrastructures sera réalisée, notamment via la réalisation d'audits. Le marché de services pour la réalisation de ces audits sera lancé dans les prochains mois. Cette analyse servira de base pour établir les futurs critères permettant d'obtenir des subsides à l'infrastructure dans le cadre de la révision de la base juridique régissant la matière. Pour les autres pistes explorées permettant d'augmenter encore le taux de couverture à l'échelle wallonne, des contacts ont été pris et sont toujours en cours avec l'Union wallonne des entreprises. Ce dossier est actuellement toujours à l'étude. C'est aussi des contacts qui, bien sûr, impliquent la Fédération Wallonie-Bruxelles et notamment particulièrement l'ONE. Voilà, j'espère, mesdames, messieurs les députés, avoir répondu à vos questions, mais reste de toute façon à votre disposition pour la mise en œuvre de cet important dossier dans le cadre du plan de relance. Merci, madame la ministre. La parole est maintenant au député pour les répliques et d'abord monsieur Di Mattia. Merci, monsieur le président. Je voudrais remercier madame la ministre pour cette réponse très complète qui, effectivement, répondait à des questions qui étaient complémentaires, mais qui ont permis, me semble-t-il, de baliser très, très large. Alors moi, je voudrais tout d'abord, madame la ministre, si vous me le permettez, me réjouir quand même de faits nouveaux qui, dans le cadre de cette situation juridique nouvelle et de ces places nouvelles octroyées, marquent quand même une discontinuité par rapport au passé. Donc tout d'abord, la souplesse, parce que c'était un véritable problème, madame la ministre. Donc le fait de pouvoir, d'avoir donné la possibilité de glissement au sein même d'arrondissements entre communes, ça répond vraiment à des constats de terrain qui étaient majeurs. Et le deuxième élément novateur, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, parce qu'il y a aussi un problème, effectivement, lorsqu'on établit un certain nombre de besoins. Donc ces deux éléments-là sont de nature, en plus du nouveau cadre juridique de collaboration entre l'entité régionale et l'entité communautaire, d'apporter des éléments qui sont tout à fait neufs. Pour être plus précis par rapport aux audits, qui était une des questions que je vous ai posées, vous y avez répondu. Vous me permettrez juste un regret, madame la ministre, c'est que si j'entends bien votre réponse, les audits à caractère énergétique
vont intervenir après les réponses à un questionnaire qui est envoyé actuellement et pour lequel vous avez donné des pourcentages de réponses. Donc il pourrait y avoir quand même des décalages. Et donc j'imagine qu'il y aura des effets correcteurs à un moment ou à un autre qui interviendront. Maintenant, voilà, je peux m'en accommoder, mais c'est quand même une remarque que je voudrais vous adresser, parce qu'il peut y avoir quelques décalages entre les éléments de dossier, zonement administratif, et la réalité de terrain. Mais je m'arrêterai là, puisque je voudrais laisser le temps de réplique aussi à mes collègues. La parole est maintenant à Madame Laffut. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, comme mon collègue, je me réjouis évidemment de votre réponse. Elle me réjouit et elle me rassure. Elle me réjouit par rapport aux moyens qui sont alloués, tant en termes d'infrastructures que d'emploi. Elle me réjouit, mon collègue Monsieur Di Mattia l'a dit, par rapport à la souplesse, évidemment, avec les glissements qui seront éventuellement possibles entre différentes communes, entre différents arrondissements. Pour l'accompagnement aussi, hein, donc on sent qu'il y a une prise en compte évidemment des expériences du passé, et donc je pense que ce dossier, on le voit, a été mûrement réfléchi. Et elle me rassure aussi par rapport à la ruralité, hein, puisque vous m'avez éclairé par rapport au pourcentage du critère, donc qui ne représente qu'1,8 % de la note globale. Donc voilà, c'est un dossier qui est attendu, je pense, par de nombreuses personnes à de nombreux endroits de la Wallonie. Et donc, on attend évidemment les instructions qui vont arriver et cet accompagnement, à mon avis, pour pouvoir mettre en place des projets de qualité qui permettront de répondre à la demande qui est sans cesse croissante d'infrastructures pour la petite enfance. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Antoine pour sa réplique. Monsieur le Président, je voudrais remercier Madame la Ministre. Nous attendions depuis un certain nombre de mois les critères, la procédure et le calendrier, ces choses faites. Vous ne m'en voudrez pas, Madame la Ministre, de vous demander, à titre exceptionnel, de pouvoir disposer de la copie de votre réponse, parce que j'ai pris note au vol, mais le nombre de points qui doivent intervenir, vous avez été un peu plus vite, et j'ai eu du mal à les transcrire. D'ores et déjà, merci. Parce que je crois que pour la plupart de nos collègues, c'est une information de première qualité. Deux, manifestement, le calendrier est serré. Et dès lors, mais je peux le comprendre, eu égard, je dirais, aux échéances qui sont connues, j'aurais voulu évidemment avoir un peu plus d'éléments sur la maturité du dossier qu'il faut déposer. Parce qu'il est clair que ce sera impossible pour un pouvoir organisateur ou une commune de surcroît de déposer un dossier d'urbanisme en bonne et due forme. Donc j'imagine ici qu'il sera question d'un dossier d'intention, ce qui, s'il est sélectionné, permettra alors de poursuivre pour ne pas engager des frais de manière inutile, dès lors qu'on sait très bien que, bon, un maître d'œuvre, s'il doit s'appuyer sur un architecte, tout cela a des coûts en la matière. Je vous le confirme, monsieur le député. Très bien, merci. Mais je comprends, ce n'est pas directement votre compétence. Vous nous avez renvoyé au décret de 2021 sur les APE, les besoins préoccupants, mais dès lors que nous ne sommes plus dans le système des points tel que je l'ai connu lorsque j'étais ministre de l'Emploi, c'est dans des enveloppes, donc j'imagine qu'il y a un montant forfaitaire qui a dû être décidé au gouvernement par emploi, parce que c'est évidemment là que se trouve le nerf de la guerre. Pour être tout à fait franc avec vous, 80%, c'est magnifique. Franchement, je pense que beaucoup d'entre nous n'espéraient pas autant. Mais par contre, sur la partie rémunération du personnel, parce que là, c'est permanent, évidemment, si l'intervention n'est pas suffisante, cela aura des conséquences sur la participation des parents dans la couverture des frais. Il y a donc là un juste équilibre entre votre dispositif, qui est, reconnaissons-le, extrêmement intéressant, et j'espère que celui de Mme Montréal le sera tout autant, mais peut-être avez-vous des informations dans la note du gouvernement qui le précise. Enfin, dernier point, donc, j'ai bien compris que l'efficacité énergétique doit, en toutes circonstances, s'accompagner de création de places. Donc si vous avez une crèche vétuste et qu'il faut la réhabiliter, notamment parce que c'est une passoire énergétique, et Dieu sait s'il y en a, ce dossier ne sera pas reçu s'il ne crée pas de places supplémentaires, si j'ai bien compris en la matière. Et enfin, nous verrons bien évidemment le nombre de dossiers qui seront rentrés. Comme vous, je sais que les précédents dossiers de l'ONE étaient restés un peu en déshérence
par rapport aux moyens disponibles. Ici, j'ai le sentiment qu'il y aura probablement de voir un travail de sélectivité importante. Et ça, j'imagine que c'est le gouvernement. Ou est-ce que vous avez, c'était ma dernière question, une délégation de celui-ci pour seul décider de l'arbitrage des dossiers retenus ou pas? Merci, monsieur le député. La parole est à présent à Madame Goffinet pour sa réplique. Merci, Madame la ministre, pour cette longue réponse et plutôt complète. En tout cas, je dois aussi, comme mes collègues, saluer à cet accord qui est enfin abouti, parce que ça permet d'ouvrir des perspectives par contre, et d'avancer. Cependant, en écoutant, j'ai relevé en fait quatre craintes qui me viennent par rapport à ce que vous dites. D'abord, par rapport au marché public de services, et c'est une bonne chose qu'il soit là pour accompagner. Je pense qu'il va falloir être vigilant aussi par rapport au délai, à le faire connaître aussi vis-à-vis des opérateurs, puisque si vous allez lancer le marché maintenant, le dossier doit être rentré pour septembre. Ça me semble vraiment être court pour le faire connaître et savoir qu'il est à disposition. Par rapport à ce délai, bien, c'est bien, on a la date au mois de septembre, mais il y a juillet et août. Donc, quelque part, ben, parfois, quand on sait comment fonctionnent les administrations, bien, dans la réalité des faits, on est plutôt à 2 ou 3 mois. Troisième quinte que j'ai, c'est par rapport à la date des données sur lesquelles ont été établies la répartition sur base du taux d'emploi et autres. J'espère que les données sont les plus actuelles possibles, qui correspondent vraiment à la réalité, parce qu'entre-temps, il y en a vécu quand même 2 ans de Covid qui a eu des répercussions sur le terrain. Et enfin, ma dernière crainte, c'est par rapport à ce système de glissement, d'arrondissement. Je trouve que c'est une bonne idée de travailler par arrondissement, mais je ne voudrais pas qu'il y ait un risque de, in fine, quand on fait le glissement de place disponible, que ça, on donne à des communes qui aient déjà un taux de couverture important et qui voudraient quand même continuer à veiller à ce que soit profite au taux de couverture le plus bas lors du glissement pour ne pas retomber dans le travers que vous avez soulevé. Merci, Madame la députée, et je vous repasse la présidence pour la suite des travaux. Merci, Monsieur Di Mattia. Je vais donc Madame Delporte est arrivée entre-temps, pardon. Excusez-moi, Madame Delporte, vous avez la parole sur les dispositions relatives aux allocations familiales pour les réfugiés ukrainiens. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Ministre, la Wallonie a toujours été une terre d'accueil et d'inclusion, et nous nous devons de garantir un accueil digne et de qualité aux Ukrainiens et Ukrainiennes qui fuient les atrocités de la guerre. Dans ce contexte particulier, nous devons faire face à de nombreux défis en matière de logement, d'emploi, de logistique. Et nous constatons jusqu'à présent que le gouvernement wallon a pris ses responsabilités et je salue cette proactivité. Alors, ajoutons que proportion très importante de ces réfugiés sont des femmes et des enfants, ce qui renforce la nécessité d'agir vite et bien. Il y a quelques jours, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le délégué général des droits des enfants a rappelé l'importance de porter une attention particulière aux enfants. Si l'on veut réduire au mieux le risque de trauma psychologique auprès de ces enfants et adolescents réfugiés, il convient de tout faire pour leur permettre au plus vite d'entrer dans une vie sociale dont l'école, encore a-t-il insisté. Cela passe aussi par l'ouverture au droit aux allocations familiales. La VIC a communiqué sur l'ouverture de ce droit pour les personnes déplacées en provenance d'Ukraine et résidant en région wallonne de langue française. C'est une décision importante que je salue. L'immunisation des familles qui hébergent a également été décidée. Et ces familles donc, ne verront aucun changement dans leurs propres allocations familiales. Ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Madame la ministre, qu'est-ce qui a été mis en place en vue d'informer les familles ukrainiennes de l'ouverture de leurs droits aux allocations familiales, mais également en vue d'informer les familles hébergeuses du fait qu'il n'y aura pas d'impact sur leurs propres allocations familiales? Les différents documents et formulaires de la VIC
ont-ils été traduits en ukrainien? Je n'en ai pas trouvé. Avez-vous travaillé en ce sens avec le CETIS? Avez-vous déjà des données chiffrées à nous communiquer quant au nombre de demandes déposées? Et un soutien particulier a-t-il été offert aux caisses d'allocations familiales en vue de les aider à faire face à un afflux de demandes? Je vous remercie d'avance. Madame la ministre, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, une circulaire a été éditée et rapidement transmise aux caisses d'allocations familiales afin de leur donner la procédure à suivre et de garantir dans les meilleurs délais l'ouverture du droit aux allocations familiales aux enfants ukrainiens réfugiés et aux résidents, en région wallonne. Il était également extrêmement important de garantir aux familles accueillantes que les allocations familiales qu'elles perçoivent ne seraient pas impactées. Dès le début du mois de mars, un plan de communication a été établi par la VIC. Ce plan prévoit 3 actions. Une communication à destination des familles accueillantes et ukrainiennes via le site internet de la VIC et la page Facebook de la VIC. Cette communication vise à informer les familles bénéficiaires d'allocations familiales et de suppléments quant à l'immunisation de l'effet de leur composition de ménage, mais également à informer les familles ukrainiennes de la possibilité de percevoir les allocations familiales et donc de s'affilier à la Caisse wallonne de leur choix. Cette communication a été rédigée en français et elle est en cours de traduction en anglais et en ukrainien. Un article à publier par les caisses sur leur site internet leur a été transmis pour relayer largement cette information. Une communication à destination des partenaires de la VIC a également été réalisée et envoyée dès le 16 mars par voie de newsletter avec relais possible vers le site internet de la VIC. La newsletter communique une adresse mail de contact pour tout besoin d'informations complémentaires. Son objectif est de leur demander d'informer les ressortissants ukrainiens qui solliciteraient leur aide de la possibilité de percevoir des allocations familiales en s'affiliant à une caisse wallonne. Les partenaires visés sont la Fédération des CPAS, l'Union des villes et communes de Wallonie, les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ONE, l'Office des étrangers, FEDASIL, les mutuelles, mais également des associations comme les Femmes prévoyantes socialistes, la Ligue des familles, Vie féminine, via leurs membres présents au comité branche famille. Une communication interne à destination de tous les agents de la VIC a également été réalisée afin qu'ils relaient l'information à leur entourage professionnel et familial. Une fiche détaillée a été rédigée à destination du numéro vert de la VIC et des agents de l'accueil afin de leur permettre de leur donner les informations utiles aux personnes qui les contacteraient à ce sujet. Un flyer d'information à distribuer est en cours de réalisation. Il sera traduit en anglais. Une traduction en ukrainien sera mise à disposition sur un maximum de sites internet d'information. Une affiche informative en ukrainien est également en préparation. Elle sera destinée aux communes, aux CPS et aux partenaires. Une page du site internet de la VIC sera consacrée aux informations utiles en lien avec nos matières pour les citoyens ukrainiens et les citoyens wallons. On y mentionne à nouveau les informations relatives aux allocations familiales. Les demandes de traduction ont été transmises au CETIS. Les caisses ont bénéficié du soutien de la VIC qui leur a transmis les directives pratiques dès le 14 mars et répond à leurs questions ponctuelles au fur et à mesure des difficultés rencontrées. Par ailleurs, les caisses d'allocations familiales ont pris, elles aussi, des initiatives propres. Certaines ont pris contact directement avec les familles accueillantes affiliées chez elles. D'autres ont contacté des associations en contact avec les ressortissants ukrainiens. De plus, il faut noter qu'à partir de 4 mois de présence sur le territoire de la région wallonne, sans qu'une caisse ait été saisie d'une demande, la caisse publique Famille Wall instruira automatiquement le dossier dans le cadre de sa mission de lutte contre le recours contre le non-recours au droit. Enfin, un reportage trimestriel a été demandé aux caisses par la VIC à partir du mois de mai. En effet, les droits qui naissent au mois de mars s'ouvrent à partir du 1er avril et font l'objet d'un premier paiement en mai. Nous ne disposons pas encore de données chiffrées pour le moment. À noter également que le droit est ouvert par les caisses dès la délivrance de la carte A, avec un effet rétroactif à la date d'autorisation renseignée par l'Office des étrangers. Le rapportage dépendra donc de la rapidité de délivrance des cartes A et de la durée des effets rétroactifs.
Voilà, merci pour votre attention, Madame la députée. Madame Delporte, pour votre réponse, votre réplique. Merci, merci Madame la ministre, encore une fois, moi je salue franchement la proactivité de vos services et des services des allocations familiales. Et je salue aussi le rôle de Family Well quant à la lutte contre le non-recours aux droits. C'est quelque chose d'important. Savoir des informations précises, mises à jour et en traduites, c'est important aussi. Je vois que le travail est en cours. La mise à jour sera nécessaire, je pense, encore pendant plusieurs mois. Merci d'y être attentive. Et puis, je voulais aussi ajouter qu'on ne peut vraiment pas ajouter l'extrême pauvreté au traumatisme de guerre des enfants. Les allocations familiales sont là pour lutter contre cette extrême pauvreté. Et je vous remercie d'avoir été attentive à la mise en place rapide du service. Merci Madame Delporte. Vous clôturez le chapitre sur la petite enfance et allocation familiale pour ouvrir le suivant, qui est notre dernier chapitre du jour, qui concerne le patrimoine. Et nous allons commencer par la question de Monsieur Antoine sur le classement du couvent des Récollets de Nivelles parmi les 7 sites les plus menacés en Europe. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre le sait, nous ne pouvons pas passer une commission sans aborder la question des Récollets, parce que de mois en mois, il y a un certain nombre d'éléments neufs qui apparaissent dans ce dossier et qui concourent, me semble-t-il, à l'objectif que je tente avec d'autres de vous faire partager. C'est vrai que c'est un débat passionné que nous menons depuis plusieurs mois, qui est celui d'un site que vous connaissez parfaitement bien, le couvent des Récollets, ancien couvent de l'Ordre des Récollets frères mineurs, dont l'église maintenant fait office de lieu de culte pour la paroisse des Saint-Jean et Nicolas. Fin mars, et ça c'est l'élément neuf, ce lieu historique a été mis en avant sur la scène européenne. En effet, lors d'un événement en ligne co-organisé par l'ONG Europa Nostra et l'Institut de la Banque européenne d'investissement, et ceci en présence de la commissaire européenne à la culture, Maria Gabriel, les 7 sites les plus en danger d'Europe ont été identifiés. Et parmi ces 7 sites figurait celui des Récollets. Début mars, vous m'expliquiez qu'une demande de classement avait été introduite par Europa Nostra en date du 21 décembre 2021, et que, bien évidemment, ce site est en cours d'instruction au sein de vos services. Alors, Madame la Ministre, aujourd'hui, après l'annonce, disons-le, solennelle, des autorités européennes, où est l'analyse de la demande de classement introduite par Europa Nostra? Êtes-vous prêt à entendre et à relayer les attentes, notamment de la commissaire européenne, et les souhaits répétés de nombreux concitoyens qui espèrent toujours préserver l'un des seuls couvents franciscains conservés dans sa quasi-intégralité dans notre pays? À défaut, et j'y reviens, comment pouvez-vous assurer le maintien patrimonial d'un complexe historique aussi remarquable? Et pour faire plus bref, tout à l'heure nous nous réjouissions de la politique européenne en matière de la petite enfance. Ici, quelle est la réponse politique et patrimoniale que vous allez adresser aux spécialistes européens? Avec quelle motivation? Si bien sûr il y a classement, ils en seront très heureux. Si tel n'était pas le cas, je pense qu'il nous appartiendra, il vous appartiendra de motiver celui-ci, notamment par rapport à des intérêts privés qui, de toute façon, devraient alors scrupuleusement respecter les lignes patrimoniales telles que reconnues par ces autorités européennes. À nouveau, merci de votre réponse. Madame la ministre, pour votre réponse. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, la demande de classement introduite auprès de la WAP est toujours en cours d'analyse par mes services. Il s'agit d'un travail qui nécessite du temps, car le bien est passé au crible des intérêts et critères tels que définis à l'article 1er du Code wallon du patrimoine. Il faut donc bien distinguer, d'une part, l'annonce médiatisée d'Europa Nostra et, d'autre part, la nécessaire analyse de terrain d'un bien complexe dont l'avenir ne peut être abordé sereinement sans prendre en compte la complexité de l'écosystème dans lequel il s'inscrit. Les souhaits de certains citoyens, qu'ils soient relayés par Europa Nostra ou par les amis du parc des Récollets, ont bien été transmis à la WAP et à moi-même lors de l'introduction de la demande de classement. Il ne s'agit donc pas tant ici de devoir répondre à l'attente de la commissaire européenne ou d'arbitrer de quelconques intérêts
particulier, mais bien d'instruire un dossier en toute connaissance de cause. En attendant un retour de la WAP, le bien n'est pas délaissé, puisque, comme vous le rappeliez également, au début du mois de mars, l'église Saint-Jean et Nicolas, classée comme monument, a bénéficié d'un important subside octroyé par la Wallonie pour la restauration de ses toitures. Et pour le reste, je vous rappelle que l'ensemble non classé appartient pour partie à la Fabrique d'Église et pour une autre partie à la Société Lixon, garante toutes deux de son maintien et ou de son développement. À propos des échanges éventuels qu'il y aurait lieu d'entretenir avec Europa Nostra, je souhaite vous informer que, dès le début du mois de février et à la suite de mon invitation, j'ai pu recevoir une délégation d'Europa Nostra Belgium. Lors de cet entretien, elle a eu l'occasion d'exprimer son point de vue et de partager son expertise. Les échanges qui ont eu lieu témoignent d'une vision très macroscopique du patrimoine. Europa Nostra a longuement développé la thématique de la réhabilitation des biens historiques en général et religieux en particulier. Elle insiste sur l'importance à accorder à la participation citoyenne et à la mise en œuvre en amont, de schémas directeurs qui permet de dégager une vision à long terme pour la reconversion de sites majeurs. Lors de cette réunion, le cas spécifique des Récollets n'a été que peu abordé. Europa Nostra n'a présenté aucun argument quant à la valeur patrimoniale du couvent dans son ensemble. Elle s'est concentrée sur l'avenir de l'Église. Je leur ai explicité l'historique au long cours de la reconversion du couvent et leur ai appris qu'une consultation citoyenne avait bel et bien été menée par la ville, à l'initiative de la ville, en 2019. Je leur ai rappelé aussi que les initiatives antérieures de classement n'ont jamais abouti et n'ont pas fait l'objet de prise de position claire de la part de mes prédécesseurs que vous connaissez bien, M. Antoine, M. Collin, Prévost, Di Antonio et Lugien. Or, le premier danger est celui de l'inaction. Pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, le classement ne doit pas être un réflexe. Le patrimoine doit vivre et non survivre. Ici, le risque majeur est de voir un bâtiment rester à l'abandon pour de nombreuses années encore, alors qu'un projet se profile. Dès lors, Monsieur le député, je me pose la question, ne vaut-il pas mieux un projet sans procédure de classement qui préserve le patrimoine qu'une procédure de classement sans projet qui détruit à terme le patrimoine? Monsieur Antoine, pour votre réplique. Madame la Présidente, dans ce dossier, moi, je veux rester positif et persévérant. Persévérant parce que je dois bien reconnaître qu'il y a des évolutions favorables. Je note par exemple la récente rencontre que vous avez eue avec Europa Nostra, alors qu'il y a quelques mois, le site leur avait été interdit de toute visite. Je note aussi l'octroi de la subvention, de quoi permettre le sauvetage, si j'ose dire, et la réparation des toitures, notamment de l'église Saint-Jean-Nicolas, qui participe au maintien du site. Ce sont des éléments favorables. Et j'y ajoute la prise de conscience européenne, et je ne connais pas l'expertise d'Europa Nostra, mais j'en connais sa réputation, et je ne doute pas qu'ils avancent avec une analyse fouillée. Ça, c'est les éléments, je dirais, positifs et qui participent à la persévérance qui est la mienne. Les années se sont passées. Vous évoquez des ministres, on succède toujours à quelqu'un, et rassurez-vous, d'autres succéderont à vous, et ils trouveront à la fois des éléments positifs et des éléments négatifs. Je l'ai vécu personnellement. Mais là, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, c'est que ce dossier s'est enlisé. Parce qu'en fait, le bâtiment est abandonné, même si il y a ça et là, des propriétaires privés, la fabrique d'église. Et donc, l'impatience est beaucoup plus grande. Et c'est ce qui me fait dire que je considère comme anormal le délai sollicité par la WAP pour étudier ce dossier, alors que vous-même, vous m'indiquez qu'il est présent au sein de l'administration depuis, si j'entends bien, des années. Franchement, j'ai parfois difficile à réconcilier le temps du patrimoine avec le temps de la décision. Mais bon, j'imagine que nous aurons l'occasion d'y revenir. Et il restera encore, bien sûr,
à traiter du dossier du parc des Recollets, mais là, votre collègue, Mme Tellier, a pris un certain nombre de décisions qui, me semble-t-il, sont de nature à le protéger. C'est donc un rendez-vous qui est pris, parce que je reste persévérant, je reste positif, et je n'écarte pas l'hypothèse d'une restauration privée, mais qu'il respecte les lignes patrimoniales, mais de cela, nous en parlons, mais nous ne l'avons encore jamais vu, ce qui, évidemment, porte atteinte à la crédibilité de la démarche et surtout du délai utilisé pour porter à bien ce dossier. C'est donc, Madame la Présidente, un rendez-vous pris très prochainement pour voir l'évolution de ce dossier. Merci, Monsieur Antoine. Vous gardez la parole pour développer votre question sur les dangereuses conséquences d'une absence de décision ministérielle relative à l'église Saint-Étienne de Cours-Saint-Étienne. Oui, il y a un point commun, Madame la Présidente, avec la précédente question. C'est les délais de traitement dans le chef de la WAP. Et ce n'est évidemment pas la ministre que j'incrimine, mais je considère qu'ici, il y a urgence et péril. En effet, pour des raisons de sécurité graves, je cite, « l'accès au parvis à l'église est strictement interdit ». Ce message, vous pouvez aller le voir, est placé sur des chaises à l'entrée de l'église Saint-Étienne, à Cours-Saint-Étienne. Des ancres maintiennent les pierres de la tour de l'église et une de ces 17 ancres est tombée. Dimanche après-midi, heureusement, il n'y avait ni fidèles ni visiteurs à proximité de l'église, sinon le constat aurait été beaucoup plus effroyable, relève l'échevin des cultes Axel Hectors. L'église de Saint-Étienne fait donc l'objet d'un plan de rénovation complète. Pour pointer tous les travaux extérieurs et intérieurs et lancer les marchés, l'église étant, comme vous le savez, classée, la commune de Cours-Saint-Étienne a fait appel à l'Agence wallonne du patrimoine. Et cette commune devait obtenir son accord pour tous les aspects de rénovation et du financement de celle-ci. Un ingénieur en stabilité s'est présenté, il a indiqué que l'église devait rester fermée, ce qui démontre bien le danger qu'elle présente, et la commune de Cours-Saint-Étienne est invitée dans un premier temps à faire effectuer des travaux pour stabiliser la tour avant la réouverture, mais pour cela, elle a aussi besoin de l'aval de l'agence qui ne répond pas. Avouez que c'est le serpent qui se mord la queue. La commune est dans pourparlers, semble-t-il, depuis des mois pour une rénovation complète. Le dossier est donc bel et bien ouvert depuis une longue période au sein de la WAP sans qu'une décision ne soit prise ou probablement même vous proposée. Alors, Madame la Ministre, plusieurs questions s'imposent face à cette instruction, me semble-t-il, particulièrement chaotique et qui n'est pas sans danger pour celles et ceux qui s'approchent de l'Église ou qui la fréquentent. Alors, pourquoi autant de temps au sein de la WAP, alors même que l'ingénieur de stabilité considère qu'il y a danger et qu'il faut la fermer? Il y a donc, me semble-t-il, là des travaux de première urgence à mener qui nécessiteraient une proposition de décision et bien sûr une décision dans votre chef et au passage peut-être de trancher l'aboutissement ou non du dossier complet de rénovation de cette église classée. Et là, nous ne pourrons pas, j'imagine, exciper un éventuel repreneur privé. C'est bel et bien une église qui aujourd'hui dessert une paroisse importante et qui est soutenue par les autorités locales. Il y a urgence, il y a danger, et dès lors, j'espère qu'une décision sera à la hauteur du danger et de la patience qu'a affichée la commune face à ce dossier particulièrement difficile. D'ores et déjà, je vous remercie. Madame la ministre, pour votre réponse. Madame la Présidente. Monsieur le député, donc l'église Saint-Étienne fait l'objet d'un projet de restauration globale et cette procédure suit son cours normal. Il s'agit d'une église classée, donc ses travaux doivent faire l'objet d'une procédure préalable d'autorisation patrimoniale. Un travail de cette ampleur ne se réalise pas en quelques semaines et l'incident qui a eu lieu, démontre toute la nécessité d'un diagnostic global au bénéfice d'une restauration réussie et durable. Dans ce cadre, plusieurs réunions se sont tenues. En novembre 2021, le comité d'accompagnement a jugé indispensable de mener deux études préalables. L'analyse des enduits et des peintures intérieures afin de mettre au point les méthodologies de restauration à envisager et une analyse stratigraphique des badigeons extérieurs.
D'autres points ont également été évoqués lors de cette réunion, comme les problèmes de décollement de la façade avant, pour lesquels il a été recommandé de désigner un ingénieur en stabilité, l'installation d'une rampe d'accès PMR, les problèmes d'humidité liés à d'anciennes descentes d'eau pluviale, la restauration des châssis, la modification du sas d'entrée et l'enlèvement de saufon plafond, les techniques spéciales qui touchent à l'électricité, le chauffage ou encore la sécurité incendie. Moins de 3 mois plus tard, une nouvelle réunion a eu lieu, lors de laquelle le comité d'accompagnement a pu prendre connaissance des propositions techniques présentées par l'ingénieur de stabilité. L'hypothèse retenue est que le parement de la tour a été ajouté dans un second temps et a donc tendance à se détacher. Pour y remédier, la solution préconisée est le placement d'un maillage d'ancrage injectable pour liaisonner le parement à la structure. L'ingénieur désigné a signalé que les mouvements étaient actifs et qu'il y avait un danger de décrochage du parement. La WAP s'est enquise directement de savoir s'il fallait recourir à des mesures conservatoires urgentes. Il s'avère que le danger n'a pas été considéré comme immédiat, mais la WAP a validé malgré tout l'option d'une surveillance régulière au moyen de fissuromètres ou de relevés réalisés par un géomètre pour laquelle l'ingénieur en stabilité allait demander offre. La prochaine réunion aura lieu le 19 mai prochain. Pour cette date, les documents de travail à transmettre au comité d'accompagnement consistent en un métré estimatif, ainsi que les plans de la situation existante et de la situation projetée. Je rappelle que le rythme du dossier est tributaire de l'état d'avancement de toutes les parties prenantes. Pour la suite, un permis d'urbanisme devra être obtenu et un marché public de travaux lancé. La subvention patrimoine pourra être calculée sur base des résultats de ce marché. Je rappelle que je n'ai refusé aucun dossier de subvention à la restauration validé au travers de son comité d'accompagnement, pour autant que la procédure ait été validée par l'inspection des finances. En ce qui concerne les taux, l'église Saint-Étienne peut prétendre à un subside dont le taux de base est de 50%, majoré de 10%, puisque c'est ouvert au public. Monsieur le député, compte tenu de vos questions, je vous avoue que je n'ai pas été alertée spécifiquement de soucis par rapport à ce dossier. J'ai aussi moi-même pris contact avec le bourgmestre de la commune afin de l'entendre et d'évaluer avec lui l'évolution des travaux. Il s'est voulu rassurant et il m'a dit que effectivement c'est un dossier au long cours et qui nécessite beaucoup d'actions et que le calendrier de travail et les relations avec l'administration étaient tout à fait positifs et constructifs. Et donc, j'espère pouvoir vous avoir pu vous rassurer en ce sens. Merci. Je cède la parole maintenant à Monsieur Antoine pour sa réplique. Oui, tant mieux, Madame la Ministre, si vous avez pu trouver les mots pour rassurer le bourgmestre. Son expression était quelque peu différente avec son collège dans la presse où il ne cachait pas, je dirais, son inquiétude, son impatience et le danger que suscite aujourd'hui l'Église, ce que finalement vous avez confirmé sur base de la venue de l'ingénieur de stabilité. J'espère que le 13 mai prochain, avec les maîtrés, on pourra arrêter un budget. Vous me rappelez la nécessité d'un permis d'urbanisme. J'imagine que là aussi, le bénéfice de l'urgence lui sera réservé. Quant au marché public, eu égard à l'urgence constatée, il y a, vous le savez, des particularités qui permettent d'aller beaucoup plus vite que dans un simple marché public traditionnel. J'espère vraiment que le politique, vous venez de citer le collège, le bourgmestre, et nous le connaissons bien, vous-même, Madame la Ministre, puisque vous avez dit n'avoir jamais refusé une telle demande, que le politique sera accompagné d'un suivi administratif aussi diligent. Parce que pour moi, il reste malgré tout un problème dans le déroulé, le nombre de mois nécessaires pour réunir les différentes parties. Et je ne crois pas, ni que ce soit de votre fait, que les choses soient claires, ni que ce soit celui du collège, qui a toujours répondu présent à toutes les sollicitations et qui a fourni les éléments. Mais entre les deux, reconnaissons qu'il y a une période que je ne m'explique pas, mais je suis prêt à l'oublier pour autant que très vite, on trouve une solution
pour faire face aux dangers et de cette église et aussi pour son besoin de restauration. D'ores et déjà, je vous remercie de l'attention que vous lui porterez. Merci. Je cède maintenant la parole à M. Di Mattia pour qu'il puisse reprendre la présidence. Très bien, Mme Goffinet, mais je vais vous laisser le temps de vous installer de sorte à ce que vous puissiez poser votre question portant sur l'appel à projet concernant la valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Voilà, vous avez la parole, Mme Goffinet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais Madame la Ministre, le 31 mars, le gouvernement wallon a validé, sur votre proposition d'ailleurs, les modalités de mise en œuvre du projet valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Ce projet s'inscrit dans le plan de relance et donc doté d'un budget de 14 millions d'euros et vise à soutenir des projets structurants dans le domaine du patrimoine avec une optique de relance économique, mais aussi une optique évidemment de tourisme en Wallonie. Et donc, mes questions sont les suivantes, Madame la Ministre. Ma première question, c'est le timing de cet appel à projet. Il est ouvert, en fait, du 1er avril au 1er juin 2022, alors que le gouvernement l'a approuvé le 31 mars. Et donc, avec un timing qui, pour moi, est particulièrement court, un opérateur qui désire déposer un dossier de candidature, ça ne va pas être aisé. Ceci d'autant que les projets sont d'une certaine ampleur, vu qu'ils devront avoir un budget total de 1 250 000 euros. Et donc, ma question est celle-ci. Comment pouvez-vous garantir, dans ce cadre, que tous les opérateurs auront alors les mêmes chances de rentrer un dossier de candidature? Cet appel à projet s'inscrit dans une optique de relance touristique de la Wallonie. Les acteurs du secteur du tourisme, je pense tout particulièrement au CGT, mais aussi à WBT, et donc ceux-ci seront-ils associés au processus de sélection afin de s'assurer de la pertinence des projets retenus au regard du volet tourisme? J'ai déjà pu aussi vous interpeller précédemment sur l'alliance patrimoine-emploi initiée par vos prédécesseurs. Ce type de projet est tout indiqué, me semble-t-il, pour s'inscrire dans cette stratégie. Une véritable stratégie est la formation et la création d'emplois dans le secteur. Et cette stratégie sera-t-elle mise en œuvre? On rappellera aussi que dans le secteur de la construction, le patrimoine est le plus grand créateur d'emplois directs, mais aussi indirects par euro investi. Et donc, je voudrais vous entendre sur ce sujet particulier. Je vous remercie d'ores et déjà, Madame la Ministre, des réponses que vous pourrez m'apporter. Je cède la parole à Madame la Ministre pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. La conservation de témoins patrimoniaux significatifs et leur valorisation rejoint les ambitions de la déclaration de politique régionale, à savoir la mise en œuvre d'une politique régionale innovante et créative en matière de patrimoine. Cet appel à projet consiste à soutenir, grâce à des aides publiques, des projets structurants qui visent à intégrer la préservation, la réhabilitation et ou la valorisation de biens à haute valeur patrimoniale. Cette haute valeur patrimoniale n'est pas exclusive au patrimoine protégé et classé. Elle s'étend aux biens qui ont une valeur de symbole, d'attachement et de reconnaissance à l'échelle régionale. L'appel à projet souhaite en effet toucher des projets d'une certaine ampleur en lien avec les réalités multiples du patrimoine. L'état de conservation, la nécessité de reconversion, la pression foncière, la sensibilisation, dans une optique de relance économique et aussi touristique de la Wallonie. C'est ce qui explique la volonté de concentrer les moyens sur quelques projets réellement porteurs et le seuil d'une subvention minimale de 1 million d'euros au taux de 75%, ce qui implique des projets minimum de 1 333 334 euros pour être précise. L'autre contrainte que vous soulignez se rapporte au délai. S'agissant d'un plan de relance, vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit pas de proposer des investissements qui seront réalisés sur le long terme. La Wallonie s'est fixée comme échéance fin 2025 en s'alignant en cela sur les exigences européennes pour ce qui concerne sa part de financement. En effectuant un rétroplanning, cela suppose que toutes les factures soient rentrées et acquittées avant le dernier trimestre 2025.
mais aussi plus en amont que les demandes de permis nécessaires soient introduites et réputées complètes en janvier 2023. Effectivement, cette contrainte implique que seuls des projets qui sont déjà en cours de montage seront prêts dans les délais impartis. Une première information a donc eu lieu dès février 2022 auprès des intercommunales de développement afin qu'elles transmettent à leurs partenaires le canevas de l'appel à projet et lancent déjà les travaux d'études préparatoires. Je peux vous assurer qu'il me revient de la WAP que de nombreuses demandes de renseignements leur sont parvenues, ainsi que le suggère la fiche d'information et que leur enthousiasme pour cet appel à projet est bien réel. S'agissant d'un appel à projet avec sélection par un jury, l'ensemble des candidats répondant aux conditions d'éligibilité auront donc bien les mêmes chances. Concernant le jury, il est bien prévu que Wallonie, Belgique Tourisme et le Commissariat général au tourisme soient représentés au même titre que la WAP, cette fiche faisant partie du portefeuille relance économique par le tourisme. Quant à l'aspect emploi, il est bel et bien pris en compte, que ce soit via le type de projet visé, les critères de sélection ou encore la composition du jury, puisqu'un représentant de la ministre de l'Emploi en fera partie. Voilà, je vous remercie, Madame la députée, pour votre attention. La parole est à Madame Goffini pour la réplique. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, je comprends vos prérogatives par rapport au délai et de coller avec les délais européens, puisque c'est une relance, il ne faut pas que ça traîne. Mais néanmoins, il me semble vraiment très court pour pouvoir mener à bien un projet. Vous avez fait part de principes, quelque part, de précaution, puisque vous aviez déjà averti les intercommunales au mois de février. Néanmoins, eh bien, non seulement lancer l'appel à projet, il y a aussi, dans la procédure, le dossier d'urbanisme. Et donc, j'entends bien le critère qu'il faut être en orte avant janvier 2023. Mais j'ose espérer qu'il y ait vraiment une collaboration aussi entre toutes les administrations. Donc, je pense que ça sera le gage de la réussite des projets. Et donc, j'insiste vraiment, savoir vraiment d'avoir un lien entre le tourisme et l'emploi et d'avoir vraiment cette stratégie. Oui, mais je m'en doute, cette stratégie patrimoine-emploi vraiment au cœur de l'objectif également poursuivi. Nous allons, cette question terminait le chapitre. Je pensais en fait que vous avez... le chapitre, donc j'ai repris la présidence, tout simplement pour clôturer nos débats. Et je vous souhaite un bon appétit. Nous nous retrouvons cet après-midi pour la plénière.